Rahim, l'International des étudiants en psychologie islamique, les IPFrance, France, a le plaisir et l'honneur de vous accueillir à cette nouvelle conférence organisée autour du thème, thème professionnel, thème très, très important et qui touche à peu près beaucoup de gens dans le domaine professionnel, c'est comment prévenir les découragements et l'épuisement professionnel. Et nous avons l'honneur d'avoir comme invité Mme Linda Ben Jaafar, qui réside en France, et les psychologues doctorantes en psychologie cognitive et conseillère d'orientation. Bienvenue, Madame Linda. Alors, tout d'abord, a'oudou billahi min ash-shaytan ar-rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna alhamdulillah na'hamaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'oudou billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. Ma yahdihillahi fa huwa al-muhtad, fa ma yudlil falan tajid lahu waliyan murshida. Wa nashhadu an la ilaha illa Allah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma karimna bi nuril fahm wa iftah alayna bi ma'rifati al-'ilm wa rzaqna bi halawati al-iman wa sidq al-ikhlas fi kulli hal ya akram al-akramin wa ya rabbi al-alamin. Amin amin amma ba'd. Mes chers frères, mes chères sœurs, que la paix, la miséricorde, la lumière et l'amour d'Allah s'abattent sur chacun et chacune d'entre nous ce soir bi idnillah. Alors tout d'abord, je remercie Monseigneur de m'offrir l'opportunité de ce partage ce soir. Et bien entendu, à la lumière de ce beau hadith qui nous dit « Men la yashkurun nas ou la yashkurun Allah », je remercie tous les organisateurs et surtout notre cher docteur Zoubir de m'avoir invité ce soir. Je me permets de me présenter, en fait, pourquoi cette présentation très succincte, hein, mais afin de mettre du sens sur le pourquoi et le comment je me trouve face à vous ce soir et pourquoi est-ce que je me sens, entre guillemets, légitime de pouvoir vous parler de ce que je vis et de ce que je vois au quotidien, puisque je supervise beaucoup de mes collègues par la grâce de Dieu. Et je me rends compte que l'épuisement psychologique, l'épuisement professionnel, ben, il peut arriver à tout moment et à tout âge. Et donc, juste une petite présentation. Donc, je suis par la grâce de Dieu psychologue depuis plus de 25 ans maintenant. Donc, je suis encore en libéral. Autant libéral que dans diverses institutions, donc à l'hôpital psychiatrique, en centre d'addictologie, en association de défense contre les abus sexuels, mais aussi contre le harcèlement moral, en milieu carcéral aussi, alhamdoulillah, que j'ai pu exercer aussi, et j'en passe. Et effectivement, j'ai aussi en parallèle travaillé pendant 23 années à l'éducation nationale en tant que conseillère d'orientation psychologue au sein de la cellule des décrocheurs scolaires, hein, pour essayer de comprendre un peu pourquoi est-ce qu'un enfant ivrille à partir de la troisième et qu'il n'y arrive pas, mais également, j'avais ouvert la cellule des troubles de l'apprentissage, parce qu'à l'époque, 15 ans, il y a 20 ans en arrière, ben, on n'en parlait pas, mais aussi du haut potentiel. Ce fut juste une magnifique expérience par la grâce de Dieu, j'en suis très, très reconnaissante. J'utilise également l'ICV, alors pour ceux qui ne connaissent pas l'ICV, c'est l'intégration du cycle de vie. C'est un petit peu comme le MDR pour pouvoir travailler sur les traumas complexes, mais sur les stress post-traumatiques. Et je fus enseignante à l'époque, à l'Université Paris 8. Quand je préparais mon doctorat, j'étais enseignante donc, en psychologie, mais surtout enseignante à l'USH. Alors, l'USH, c'est un petit peu comment dire, la première instance. Première université islamique en France, et à l'époque j'ai eu la chance, par la grâce de Dieu, de pouvoir créer la matière qui n'existait pas, qui était psychologie à la lumière de l'islam. Alhamdoulilah, ça fait maintenant presque une dizaine d'années que je continue à enseigner à l'USH, et c'est pour faire le lien entre l'islam et tout ce que j'ai pu vivre au sein de ma carrière. Également, j'ai eu une émission sur la chaîne Iqra International pendant des années que j'ai appelée Light of Psychology, et bien entendu, où on faisait le pont, où je faisais le pont par la grâce de Dieu entre notre magnifique religion et la psychologie, ce que j'apprenais au quotidien. Et ce fut à cette époque également. Psychologie, islam. Une petite introduction. C'est l'interdiction. Oui, quelqu'un peut-être veut intervenir? Non, ça va aller. Alhamdoulilah, ça peut Voilà. continuer. Merci. Okay. Alhamdoulilah. Donc, la chaîne Iqra International, où effectivement, je ne savais que faire le lien. Et ce fut à cette époque également que j'ai initié donc un institut que j'ai appelé Respire, parce que Respire, réseau d'échanges et de savoirs professionnels à la lumière de l'islam pour une recherche d'épanouissement. Voilà l'acrostiche que j'avais choisi. Et donc, nous étions plusieurs thérapeutes
Mais également, nous avons fait venir des imams, nous avons fait venir des raqis pour pouvoir un petit peu travailler sur la santé mentale. Ça a duré plusieurs années. D'ailleurs, notre cher frère Ali Habibi, je ne sais pas s'il si est présent, mais Allah Ibarakfik, était à mes côtés déjà à l'époque, bien une quinzaine d'années maintenant. Alhamdoulilah. Tout ça pour dire qu'à mon sens, nous ne pouvons pas faire réellement comment dire, nous ne pouvons pas ne pas faire de pont entre l'islam, notre magnifique religion, et la psychologie et la santé mentale. Mais c'est vrai que, pour tout vous dire, à l'époque, je me sentais extrêmement seule. Ce que je n'ai jamais su, ne pas faire de lien entre la religion et la psychologie. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, je m'aperçois effectivement que la relève est là, en fait. La relève est là et qu'il y a énormément de jeunes psychologues qui, de par leur pertinence, hein, je me rends compte combien la relève est plus que là. Et du coup, aujourd'hui, la psychologie islamique, elle se vulgarise, notamment à travers des associations comme l'ISIP, et je trouve ça juste extraordinaire. Et voilà pourquoi un peu ma présence aujourd'hui, parce que pour moi, alhamdoulilah, en fait, ça ne fait que comment dire, être là un petit peu, ça va concrétiser tout ce que j'ai pu faire pendant toutes ces années, en fait. Donc, je voulais vous dire bravo quand même pour ce magnifique travail et que Dieu puisse vous récompenser, donner un frère. Alors, c'était juste une introduction pour vous parler qu'aujourd'hui, à la lumière de toutes ces années d'expérience, par la grâce de Dieu, uniquement par sa grâce, et aussi à la lumière de ce que m'ont appris mes patients, en fait. Mes patients m'ont énormément appris par la grâce de Dieu. J'ai voulu vous parler de l'importance de prendre soin de soi afin d'éviter cet épuisement professionnel que je vois encore une fois régulièrement, que ce soit à travers mes patients, que ce soit à travers les supervisions, donc mes collègues dans la santé mentale. Et afin surtout, pourquoi est-ce qu'il est important de prendre soin de soi, pourquoi il est important de prévenir cet épuisement professionnel, parce que peu importe la profession que nous faisons, je pense qu'il est important de répondre à la mission de vie qui est la nôtre, une noble mission de vie, pour pouvoir, bien entendu, obtenir d'Allah, parce que le but de ce bas monde, c'est d'obtenir l'agrément du divin, Allahumma amin. Donc, prendre soin de soi, alors on y va. Bismillah. Ça va, tout le monde voit bien le partage? Tout va bien pour le Oui, c'est partage, bon, docteur? ça va. Ok. Oui, il est visible, il est bien visible. Alors, je vais d'abord parler, je pense, c'est surtout pour les aidants, peu importe, hein, soit psychologue, qu'on soit médecin, qu'on soit infirmière. Il est important de s'interroger ou comment la souffrance des familles vient impacter le professionnel que vous êtes. Mais je pense qu'effectivement, on peut totalement élargir à tout type de profession. C'est vrai que je me suis vraiment centrée sur tout ce qui est santé mentale parce que c'est ce que je connais le mieux et ce que je vois au quotidien. Mais je pense que vraiment, on peut élargir ça à toute profession, quelle qu'elle soit. Et je pense qu'il est important de réfléchir. Donc là, je vous ai mis succinctement un petit peu tout ce que j'ai pu observer pendant toutes ces années, mon humble observation, mes humbles pensées que je vais pouvoir partager avec vous. Et je pense vraiment que le bien-être, c'est un voyage permanent entre le niveau personnel, individuel, intime, le niveau relationnel et le niveau sociétal. On ne peut, à mon humble sens, se focaliser sur une seule dimension. Et donc, pour savoir si effectivement nous sommes à même de pouvoir aider l'autre, c'est déjà de pouvoir s'interroger sur où est-ce que moi j'en suis dans le niveau individuel, personnel, intime, etc. Et je pense que dans une profession, quelle qu'elle soit, le pire étant lorsque nous renvoie notre épuisement professionnel à une problématique personnelle. Et certains collègues vont nous dire, mais tu serais pas un peu fragile? Et je pense que c'est d'une violence inouïe. Moi qui ai travaillé à l'éducation nationale, donc j'ai travaillé tant seul dans mon cabinet que dans une institution. Mais ce qui est violent est également de se penser victime impuissante d'un système. Et moi, c'est vraiment ce que je vois au quotidien. Beaucoup de personnes qui sont complètement sclérosées dans un système parce qu'ils sont montrés du doigt, parce que ils ne sont pas reconnus dans leur mal-être, dans leur burn-out, qu'ils arrivent à se sentir victimes, même en tant que professionnels. Et le but étant, bien entendu, de trouver le juste milieu, comme notre cher prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, trouver une souplesse entre les deux. Ah, mince, pardon. Autant pour moi. Désolée, je reprends le partage. Alors.
Je pense que on va débuter la présentation. On y va, je ne sais pas si. Ah, vous voyez que ça bouge? Je ne Oui, sais pas ça si vous bouge. voyez bien. Okay. Donc moi, je pense que prendre soin de soi, c'est avant tout répondre à l'injonction du divin. Donc je ne pourrais pas commencer sans parler de cette sourate que je cite beaucoup, enfin ce verset que je cite beaucoup lors de mes conférences, sourate al-Baqara, le sourate numéro 2, verset 195. Rabbi subhanahu wa ta'ala nous dit. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين et dépensez dans le sentier d'Allah et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction, ne vous faites pas du mal à vous-même. Et la suite logique étant, et faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. C'est-à-dire que c'est l'injonction du divin de prendre soin de soi. Et que bien entendu, si je ne prends pas soin de moi, je ne peux pas prendre soin des autres. Et si ma mission en tant qu'aidant, ou peu importe la profession, et d'aller vers l'autre, et d'être dans le relationnel, et d'aider l'autre, la condition sine qua non, c'est déjà de prendre soin de soi. Donc de la nécessité professionnelle à prendre soin de soi. Nous intervenons, nous les aidants, avec des personnes résignées en souffrance, et ce qui va faire la rencontre thérapeutique, c'est que la personne puisse s'ouvrir dans son désespoir. Et donc, il y a ce fameux principe d'isomorphisme. Si nous allons bien nous-mêmes, cela se répercutera bien entendu dans notre énergie positive dans la rencontre d'humain à humain et qui fera que les patients iront bien après notre rencontre. Et la question de la rencontre, par-delà des violences subies, peu importe ce qui ait pu se passer, le but est vraiment de faciliter cette alliance thérapeutique, mais qui ne peut se faire effectivement que si déjà nous-mêmes nous avons pris soin de nous. Pouvoir aller à la rencontre de l'autre dans sa réalité. Nécessité absolue de prendre soin de soi, de nourrir son intime, aimer ce que l'on aime, me rapprocher du but de mon travail et de mon Seigneur, bien entendu, pour ne pas être envahi par les problématiques destructrices présentées face à nous. Revenir au qui je suis, parce que bien entendu, et je le dis régulièrement, si je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas où je vais. Comment va-t-on pouvoir préserver notre capacité d'émerveillement, hein, le fameux Masha'Allah, et d'aller vers le beau, et je pense que le socle, c'est cela, en l'autre. De pouvoir rester en contact à l'humain qui est en l'autre, quoi qu'il ait fait ou pas fait. Moi qui ai travaillé dans le milieu carcéral, c'est vrai que parfois c'était très difficile de dépasser effectivement l'acte de la personne pour pouvoir aller trouver l'humain en lui. Et je pense qu'effectivement, nous avons besoin d'aller chercher le beau en la personne, quand bien même la laideur de son acte. Ce n'est pas facile. C'est vraiment aller vers l'autre. Alors qu'effectivement, tout peut nous repousser, c'est vraiment, je pense, que ce qu'on doit garder en nous, le fameux Masha'Allah, d'être dans l'émerveillement de ce que l'autre peut vous apporter. Quand on travaille avec l'humain, on va être intrusé un jour, indéniablement, intrusé par sa vie, intrusé par sa problématique. C'est ce qu'on appelle l'hyper-empathie. Être envahi par la souffrance de l'autre est le signe d'une vraie qualité humaine. D'empathie, de sensibilité que beaucoup d'aidants ont, mais qu'ils arrivent parfois, moi je le vois, à perdre tellement la réalité est difficile à accepter. Tellement difficile à accepter qu'effectivement, c'est difficile d'aller chercher cette qualité humaine derrière l'être humain et derrière sa problématique. Et donc nous devons apprendre à sortir du binaire, on-off, pour aller vers l'ajustement, pas trop près ni trop loin. Et je pense que c'est vraiment la problématique. De la vie, en fait, c'est de toujours trouver la bonne distance. C'est-à-dire que avec mon époux, avec mes enfants, avec mes parents, avec mes amis, avec ne jamais être ni trop proche, ni trop loin. Encore une fois, toujours trouver la bonne distance. Et être trop proche, être dans la dépendance affective, être trop loin, donc parents, bah, ça peut être du laxisme. Et du coup, bah, c'est toujours se réajuster et trouver cette bonne distance qui va ni me heurter moi, ni heurter la personne en face. Et je pense que c'est la problématique, à mon sens, que j'ai pu voir dans toute ma carrière, vraiment la problématique humaine, de trouver la bonne distance. Ne pas oublier que le travail durant des siècles, là, je pense que c'était important de le dire, était mal considéré. Travail égale souffrance à la base. Les nantis, hein, ne travaillaient pas, c'était pour les pauvres. Le bien-être était de ne pas travailler. Alors qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est cette injonction de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui qui nous fait croire que l'épanouissement passe par le travail uniquement. Qu'est-ce que tu fais dans la vie est devenu notre identité première.
Et donc, le but étant de comment ne pas se fondre dans cette identité, garder mon identité à moi pour pouvoir être disponible à l'autre, disponible à moi et disponible à l'autre. Je pense que là est toute la fragilité, en fait. Mais là est vraiment l'importance, c'est là. Penser aujourd'hui qu'on s'épanouit à travers le travail, c'est une hérésie. Le travail reste une souffrance, c'est important quand même de le dire. Dans le travail, il y a en face de nous quelque chose qui nous résiste. Et la rencontre dans le travail d'aide, hein, des aidants à l'autre, crée de la résistance que l'on doit dépasser. C'est ce qui donne du sens à notre travail. Et je pense que notre magnifique religion est là, justement. Quand on sait que quand on va aider une personne, eh ben, on est quasiment à ibadah. On fait des hasanat, bien entendu, mais aussi on est en ibadah, puisque le meilleur d'entre vous, d'entre nous, c'est celui qui est le plus utile à l'autre. Et de ne pas cesser d'être. Et je pense vraiment que notre magnifique religion nous aide au quotidien à pouvoir avoir cette pensée-là de donner du sens à mon travail. Pourquoi est-ce que je le fais? Mais si l'on vit des choses difficiles, hein, des violences intrafamiliales, abus de tout genre, même si l'on vit cela, à partir du moment où on reste connecté à ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on le fait, et mettre du sens à ce travail-là, bah, c'est ce qui va et pareil dans toutes les professions d'ailleurs, c'est ce qui va, à mon sens, nous aider à ne pas sombrer dans le désespoir et à sombrer dans l'épuisement professionnel. Comment va-t-on de la résistance au changement? Comment l'inconnu de l'extérieur est plus insécurisant que ce que l'on vit? On vit dans une époque où l'on est en sécurité, en quasi-sécurité totale, mais on vit dans un état d'anxiété extrême. C'est une réalité où on n'a plus foi en la vie, en fait. Peur d'être sans travail, sans famille, et cela ne s'arrange pas. La réalité, le climat sociétal crée une insécurité individuelle et intime colossale. Nos parents, subhanallah, avaient une foi en la vie incroyable. Ils étaient dans le « wa la taqnitou min rahmatillah »,« ne désespérez pas de la miséricorde du divin ». Aujourd'hui, on tente à le perdre, en fait. Et pour eux, nos parents, les générations précédentes, le mieux est à venir. Aujourd'hui, on nous fait penser que le mieux est derrière nous. Et c'est ça qui est triste. En fait, ça, c'est vraiment tout ce que j'ai pu relever de ma patientèle au quotidien qui ne fait. Les troubles anxieux généralisés ne font qu'augmenter. Et parce qu'ils ont cette projection du futur tellement, tellement douloureuse, tellement remplie de doutes et de peurs, et je ne cesse de le dire dans mes conférences, c'est qu'à mon sens, encore une fois, j'ai ce sentiment que le doute et la peur sont les deux portes d'ouverture. Il va rentrer à travers cela pour pouvoir insuffler effectivement le waswas et pouvoir effectivement faire grandir cette peur, nous faire installer dans cette peur-là d'un avenir, effectivement, parce qu'on est dans la crainte. Et nous, en tant que musulmans, nous avons cette chance de pouvoir nous dire, toujours en référence au Al-Karim, Rabbi subhanahu wa ta'ala, verset 38, verset 66, toujours de la même sourate, nous dit plusieurs fois dans sourate Al-Baqarah, mais plusieurs fois dans le Coran, nous dit, pourquoi est-ce que Rabbi subhanahu wa ta'ala nous parle de khawf? Subhanahu wa ta'ala aurait pu nous dire, donc ça a son pesant d'or, c'est-à-dire il aurait pu nous dire, ben, celui qui est dans ma droite guidée, celui qui est dans ma proximité, ne sera atteint ni par la pauvreté, la maladie, wallahu mais il a dit, les khawf, et il a répété à plusieurs, c'est-à-dire le corollaire qui est la tristesse. Et effectivement, je vois des personnes au quotidien qui sont criblées par la peur. Criblé par là. On sait aujourd'hui combien, plus on a peur de quelque chose, plus on va attirer l'objet de notre peur. Donc, le but étant vraiment de travailler sur nos peurs. C'est ce que nous tentons, nous, en tant qu'aidants, de faire au quotidien. Et donc, cette peur est omniprésente, la peur de tout dans la société. Et le rempart à la peur, c'est ce verset coranique, en fait, qui dit, comme Tabi. Et ça, c'est important d'être dans ce rappel-là, que ce soit avec nos patients, bien entendu, on est dans ce rappel-là, pour qui c'est audible. À qui veut bien entendre. Ce n'est pas évident. Moi, je reçois aussi des chrétiens, mais aussi des personnes athées. On n'a pas le même discours du tout. Les chrétiens, c'est plus audible pour eux également comme pour les musulmans. Et je pense que c'est important, cette dimension-là, puisqu'aujourd'hui, on est dans cette peur permanente. La société actuelle relève d'une instabilité de vie sans borne. En face de nous, cela résiste et cela crée du désagrément, du découragement, de l'agacement. Et cela demande une certaine humilité, une capacité d'adaptation, de la créativité, de la patience.
de l'énergie en tant que travailleurs sociaux. Nous avons été pris dans des formes d'utopie qui nous mettent dans l'urgence, et il y a quelque chose à réinventer en permanence dans le travail avec les familles. En permanence, et ça, c'est en tant qu'aidant, je pense que notre travail, il est là, en fait. Toujours réinventer, toujours sortir de la problématique pour pouvoir créer d'autres choses autour, et surtout les sortir de cette peur, en fait, qui est permanente. C'est le dynamisme de résistance et son dépassement qui amène la satisfaction et le plaisir du travail. Alors. Mais la résistance, justement, si on résiste face à ça, ça crée de l'épuisement, justement. Plus on sécurise les gens, moins ils développent les capacités pour s'adapter, pour rebondir et résister par eux-mêmes. Les conditions de travail sont nettement moins rudes aujourd'hui, mais en même temps, la souffrance au travail est bien plus grande. Quand j'ai commencé il y a 25 ans, des burn-out professionnels, j'en avais que quelques-uns. Aujourd'hui, j'en ai toutes les semaines. Toutes les semaines. C'est dire combien, effectivement, on s'amalgame à son travail. Quand le travail ne va pas bien, on ne va pas bien et on n'arrive pas à prendre le recul nécessaire. Et effectivement, notre priorité devient le travail. Et c'est ça, en fait. Quelle est ma priorité dans la vie? Quelle est, et je pense que c'est une question qu'on doit souvent repenser, cette question-là. Quelle est ma priorité, en fait? Est-ce que c'est travailler pour travailler et pour plaire aussi, bien sûr, parce que c'est alimentaire, mais aussi pour plaire à mon supérieur, pour plaire à mon épouse, à mon époux, pour plaire dans le fait que je sois compétent dans mon travail, ou c'est d'abord Raïs Allah? Toujours essayer de se dire, mais pourquoi est-ce que je fais ce travail? Est-ce qu'il me convient, ce travail? Est-ce qu'il parle de mes valeurs? Et effectivement, est-ce que j'arrive à avoir la distance nécessaire pour pouvoir effectivement, moi, prendre soin de moi et prendre soin de l'autre en même temps? Et donc, les règles du travail en équipe, par exemple, servent à sécuriser, mais également à être modifiées, transgressées pour mieux évoluer et ne pas rester bloquées dans des systèmes. Parce que j'ai eu la chance de travailler en éducation nationale, et j'ai pu voir parfois la violence de ce système, qu'on avait en plein visage au quotidien. Et donc, c'est parfois savoir le détourner pour ne pas que ça vous casse, que tout système, quel qu'il soit, quelle entreprise que ce soit, c'est pouvoir aussi la contourner pour ne pas y aller de front. Moi, je vois des gens qui s'épuisent littéralement parce qu'ils prennent à la lettre ce qu'on peut leur dire, parce que effectivement ils ont cette hypersensibilité-là et qu'ils ne prennent pas le recul. Ils ont toujours essayé d'observer ce qui se passe dans mon travail, mais avoir ce recul nécessaire. Et c'est ça qu'on arrive à apprendre à nos patients, à faire un pas de côté pour pouvoir prendre conscience de ce qui se passe, analyser et pour pouvoir mieux avancer et mieux se réformer. D'accord? Et se dire que c'est dans les zones d'ombre que l'on voit la lumière, hein, ça j'aime à le dire, et effectivement que c'est dans les failles de la personne qu'on va pouvoir jaillir la lumière, dans les dysfonctionnements institutionnels justement et humains, qu'on va pouvoir nous aller chercher derrière la lumière. On peut souffrir au travail à condition que ce soit beau, utile, bien fait, noble, donc en adéquation avec notre spiritualité, nos sources d'inspiration, nos engagements et nos valeurs. Si je suis dans un boulot qui est à l'encontre de mes valeurs, je ne peux pas en fait. Je ne peux pas, je dois vraiment repenser le pourquoi je suis là et comment est-ce qu'au quotidien, moi j'ai beaucoup de gens qui tombent en burn-out professionnel parce que bah, c'est plus en adéquation. Je ne parle même pas des femmes qui doivent ôter leur voile. Parfois, bah, c'est difficile. Mais toujours se rappeler le pourquoi est-ce que je le fais. Si je ne peux me connecter à la beauté de ce qui fait sens pour moi, je me déconnecte de moi-même. Donc vraiment, vous invitez à faire ce pas de côté, hein, c'est comme j'invite mes patients en souffrance, pour pouvoir essayer de comprendre. On compense cette souffrance au travail par la revalorisation des patients, des supérieurs parfois, mais surtout de nous-mêmes. Puis notre cadeau à nous, bah, c'est le sourire d'un patient. Moi, je sais que lorsque un patient rentre en pleurant et sort en souriant, j'ai gagné ma journée, en fait. Je me dis, subhanallah, alhamdoulilah. Et donc, se connecter à ça. Pas la difficulté que j'ai pu avoir pour y arriver, pas à sa difficulté à lui, mais à se dire, ben, walillah ilhamd, par la grâce de Dieu. Et si l'on perd la connexion au beau, j'insiste avec le beau, parce que Allahu Jamil, wa yuhibbul Jamal, et c'est important de garder cette esthétique, ce beau dans son travail. Et si mon travail est dénué de beau, ben, il n'y a plus de sens, en fait, à mon sens. Pour être fier de ce que l'on fait, c'est comme naviguer sans boussole ou être dans une voiture sans volant. D'accord? Et c'est pour ça qu'on se prend des murs, en fait.
Comment faire en sorte que l'on soit fier de notre travail? Comment peut-on remettre du plaisir et de la curiosité dans les intervisions avec les collègues, par exemple? Remettre du doux dans une réalité de travail sombre et qui crée de la souffrance? C'est ça la bonne question à se poser, en fait. Où est-ce, à quel moment et comment est-ce que je peux mettre de là du doux et pas du rugueux? Inna vous dit dans Sourate Al-Hashr qu'à côté de la difficulté, il y a toujours la facilité. Donc le but étant d'aller chercher cette facilité. Donc pour la chercher, je dois faire un pas de côté en fait. Et puis retrouver l'humain en la personne qui est en face, même au sein pardon, de la pire de la perversion. Encore une fois, dans le milieu carcéral, ça c'était douloureux, difficile, mais on y arrive. On y arrive toujours en fait. Tout dépend de mes priorités à moi. Donc se connecter au beau de notre travail, c'est le contrepoison intime au burn-out. C'est une façon d'entrer en résistance justement contre, face à toute cette violence, ben, que ce soit d'un patient, que ce soit d'une institution. Ben, c'est vraiment essayer de trouver le beau en fait. Comment continuer à tendre vers le beau dans un contexte où le discours est de bien faire, d'être productif, quantité versus qualité. Aujourd'hui, on est dans la qualité, dans la quantité, dans le productif, et on le sait, c'est la société qui veut ça. Et du coup, la qualité, aller la chercher alors que justement, c'est pas ce qu'on nous demande et c'est pas ce qui est mis de prime abord, c'est encore plus difficile aujourd'hui parce qu'on est dans une société de productivité. Même après une journée rude, comment être content de sa journée? Oui, la lutte contre le burn-out est une vraie lutte. Mais en même temps, en parlant de lutte, Rabbi subhanahu wa ta'ala, encore une fois, nous dit, fi sourate al-balad, il nous dit, subhanahu wa ta'ala, wa laqad, wa khalaqna l'insana fi kabad. J'ai créé l'être humain dans la lutte. Donc, je suis dans cette lutte permanente. Lutte permanente pour mon élévation spirituelle, lutte permanente dans la relation à l'autre au quotidien, et comment faire effectivement pour trouver le beau là-dedans, pour ne pas sombrer en fait. Parce que ma vie est une lutte, mais quelle est la finalité? Donc, je vais aller me gripper à l'objectif final et à la finalité en fait. Malgré une journée horrible et mon état mental du moment, qu'est-ce qui a été beau dans ma journée encore une fois? Le sourire d'un patient, un rayon de soleil, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, et je vais m'agripper à ça. Je vais m'agripper à ça parce que c'est important. Parce que sinon, comment tendre vers le beau lorsque les conditions de travail sont difficiles? Moi, je parle toujours des trois kiffs de la journée. Et je dis à mes patients, écoutez, vous allez marquer, vous allez prendre un beau cahier, vous allez marquer quelles sont les trois belles choses de votre journée. Et vous allez vous endormir là-dessus. C'est important, effectivement, que le mental puisse s'endormir sur quelque chose de positif. Donc, commencer par ce dont nous sommes fiers, comment chercher le beau dans sa journée, le soleil, encore une fois, hein, le sourire d'une patiente, une mini-réussite. J'ai aidé à traverser une personne âgée, j'ai eu son sourire, bah, c'est juste magnifique, etc. Donc, comment aller chercher ça? Je pense qu'il est important que notre cerveau soit rempli, parce qu'aujourd'hui, bah, rien ne prête à ça. Rien dans une société, effectivement, où on n'est que dans la productivité et que pas du tout dans la qualité, bah c'est difficile de le trouver. Donc c'est à nous de faire cet effort-là, effectivement, de le trouver, d'être dans l'hamd, d'être dans le shukr. Rabbi subhanahu wa ta'ala nous dit, qalilan min al-ibad yashkur, très peu de gens sur dans ce bas monde et dans la gratitude. Et c'est tellement dommage. C'est un constat amer de la part de Rabbi subhanahu wa ta'ala. Et donc comment? Et il dit un peu plus loin dans Sourate Ibrahim, subhanahu wa ta'ala, il nous dit si je suis dans la gratitude, ben je vais vous en rajouter. Je vous rajouterai du bien encore et encore. Donc, comment être dans la gratitude de ma journée avant de dormir, la gratitude de ce que j'ai pu vivre, que j'ai pu me réveiller, que je peux marcher là où d'autres ne peuvent pas, d'autres sont hospitalisés, que j'ai ma santé. Et on sait aujourd'hui, on sait que le meilleur état psychologique, c'est d'être dans la gratitude. On le sait, ça a des effets juste extraordinaires, antidépressifs, plus, plus, plus. Et donc, c'est comment au quotidien pouvoir être dans cette gratitude? Et c'est une injonction du divin, encore une fois. Être dans cette shukr wal hamd au quotidien, mais avec le cœur et pas seulement avec la bouche. Démarrer un entretien ou une réunion par le positif de la semaine, ça c'est important quand on est en réunion en institution, en règle générale, bon, qu'est-ce qui ne va pas? C'est important de démarrer, oh, on va commencer par le positif. Toujours et encore. On s'endort sur le positif, on commence par le positif pendant les réunions, même pendant un entretien. Moi, j'ai toujours. Alors, qui s'est bien passé de beau entre la dernière intervention, enfin, la dernière
échange, dernière session, dernière consultation, pardon, et aujourd'hui. Et c'est important qu'on puisse repartir sur le positif d'abord. Parce qu'on l'oublie. En tant qu'être humain, on est insane. Insane vient de nisienne, de l'oubli. Et on oublie énormément, beaucoup trop, à mon sens. Le bien, on oublie effectivement ce qu'on a et on va se focaliser, c'est la société qui veut ça, se focaliser sur réellement ce qui ne va pas en fait, ce qui nous manque toujours et encore. Donc c'est un équilibre en permanence entre l'être et le faire, la rentabilité, l'efficacité et le sens de ce que l'on fait. D'accord? Parce qu'il y a un trop grand écart entre rationalité et dignité. Comment concilier les dimensions aussi antagonistes, l'efficience et la rentabilité, pour rétablir une saine tension entre les deux? La dignité est un sentiment humain profond et elle donne le sens profond du beau de notre travail, s'y connecter le plus souvent possible. Donc revenir à mes valeurs premières personnelles, hein, le respect, l'humilité, l'authenticité, le sens de l'engagement, qui ne sont juste que des valeurs islamiques en fait, sens de la responsabilité. On va en parler de la responsabilité, la dignité, la cohérence, l'empathie. Le sens du beau et de l'esthétique, encore une fois. Partager le don, l'importance du sens. Penser ne doit pas aboutir à résoudre un problème à tout prix. Je sais que nous, les aidants, alors surtout c'est les jeunes qui arrivent, mashallah, qui sortent fraîchement de l'université, n'ont qu'une envie, c'est d'aider à tout prix. Parce que voilà, ils sont dans leur élan d'aidant, alors qu'en fait, parfois, c'est ce que j'explique en supervision à mes collègues, parfois, ils ont juste besoin d'être entendus, en fait. Ils ont juste besoin d'être écoutés et ne pas automatiquement aller chercher la solution. D'accord? Ce n'est pas la solution qu'ils viennent chercher de prime abord, de suite. C'est déjà d'avoir un espace de parole. Et donc, et un équilibre entre remettre du beau, du sens, du doux dans les situations de vie catastrophiques, parce que parfois, on a des waouh, quoi, catastrophiques, des histoires de vie juste dysfonctionnelles, en fait, qui sont pas facile à entendre et encore moins à vivre, le qui je suis, où suis-je, donc mes besoins, mes forces, mes vulnérabilités pour ne pas se déconnecter de soi, les obligations, les contraintes du cadre également, parce que rien n'est figé. En fonction de mon histoire de vie, tout peut changer, tout se transformer. C'est pour ça que Rabbi Subhanahu wa Ta'ala nous dit encore une fois, tout peut se métamorphoser et rien n'est acquis en fait. Ça, c'est important, c'est vraiment ce que j'apprenais à mes élèves de master. C'était à l'époque de la maîtrise. On appelait ça une maîtrise master en psychologie. Je disais, mais si vous voulez être des bons aidants, déjà, aidez-vous vous-même. Et j'étais très étonnée qu'aucun enseignant à l'université, dans le parcours des psychologues, aucun enseignant ne leur demandait, ne leur disait de faire, comment dire, de faire une thérapie. Comment peut-on aider l'autre si nous-mêmes, nous avons des blessures? Et Dieu sait que nous avons tous des blessures. Mais la blessure de l'autre va venir effectivement faire écho en nous et ça va être très compliqué. Très compliqué. Docteur Zoubir, pardonnez-moi, mais je suis une très grande bavarde et vous devez m'arrêter parce que sinon je n'arrête pas de la soirée. Je vous le dis. Donc si vous voyez que je dépasse, vous me faites un signe et vous me dites, là c'est stop. D'accord, mon très cher docteur ou ma très chère sœur? Les slides ne changent pas, c'est exprès. Ah mon Dieu, mais Les non. slides de votre présentation. Et bien sûr, ah ben pourquoi vous ne m'avez pas dit, mon Là, Dieu, c'est ça que donc. je disais. Ah, subhanallah. Bon, allez, on va les repasser vite fait. Reprendre le partage. Donc, le partage s'était arrêté depuis tout à l'heure et je ne le savais pas. Pardonnez-moi, non, 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 ça passait depuis tout à l'heure. Hein. Khair, inshallah. Je ne sais Non, pas ce non, qui le s'est passé. partage n'était pas. On voyait le Il s'est partage, mais les arrêté slides où? n'avançaient pas. Donc, le partage, ça s'est arrêté où? Vous ne me souvenez plus? Que je puisse au moins vous les faire passer, c'est dommage. Bon, là où Celle-là, il vous y a l'avez. quatre. Là, vous Non, les voyez ou après, non, avant. pas? Mon cher Non, Inch'Allah. Est-ce que avant. vous les voyez passer? Vous les voyez passer? Est-ce que Oui, là, vous les maintenant, voyez? oui, avant. Oui, on les voit passer. Ok. Bon, alors je vais reprendre où? Bon, je ne vais pas les relire, hein, puisque se connecter au beau de son travail, c'est le contrepoison intime au burn-out, c'est une façon d'entrer en résidence. Celle-là, vous l'avez vue. Ah, je suis vraiment déçue, je suis désolée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est mon zoom à moi. Voilà, donc en fait, je crois que vous avez compris, le but étant vraiment de se connecter au bout de ce qui fait sens pour moi, sinon je me déconnecte de moi-même. Donc celle-là, vous l'avez eue.
Vous pouvez revenir en arrière, un peu en arrière. D'accord, pas de souci. Voilà. Oh. Vous vous souvenez à laquelle, ma très chère sœur, Oui, c'était je me que... souviens. Oui, je me souviens. Voilà. Revenez en arrière. Encore en arrière, là? Voilà, c'est ça, c'est bon. C'est à part C'était ça, celle-là. ça. Ah, Oui. subhanallah, ça s'est arrêté là. Donc, on vit dans une Oui. époque où on a sécurité. Ouh là là! Oui, effectivement. Mais la résistance crée de l'épuisement, justement. Plus on sécurise les gens, moins ils développent les capacités pour s'adapter, pour rebondir et résister par eux-mêmes. Si je ne peux me connecter à la beauté de ce qui fait sens pour moi, je me déconnecte de moi-même. C'est important. C'est là où je disais qu'effectivement, c'est dans les zones d'ombre, dans les dysfonctionnements institutionnels et humains, que je vais pouvoir y voir la lumière. Encore faut-il que je puisse la voir. Encore faut-il que je sois armée psychiquement pour pouvoir aller chercher le beau et donc chercher la lumière en l'autre. C'est ça, en fait. En l'autre ou dans l'institution, en fait, dans laquelle nous travaillons. Donc, si l'on perd la connexion au beau pour être fier de ce que l'on fait, c'est comme naviguer sans boussole ou être dans une voiture sans volant. Et donc, on se prend des murs. D'accord? Comment faire en sorte que l'on soit fier de notre travail? Donc, déjà, d'être persuadé que notre travail nous convient et est en adéquation avec mes valeurs. Comment peut-on remettre du plaisir et de la curiosité dans les interventions avec les collègues, remettre du doux dans une réalité de travail sombre et qui crée de la souffrance? Retrouver l'humain même au sein de la pire de la perversion, hein, comme je vous le disais, comme j'étais dans le milieu carcéral, c'était difficile, mais le but étant d'y arriver. Et quand on y arrive, ben, alhamdoulilah, l'alliance thérapeutique se fait et tout se passe bien. Et donc je disais là que ben, c'est là qu'il nous dit effectivement dans Sourate Al-Balagh, pardon, dans la lutte permanente. Donc nous savons, et donc rester toujours agrippé à mon objectif. Et pourquoi est-ce que je fais ce travail-là? Et qu'est-ce qu'il va m'apporter? Est-ce qu'à travers ce travail, je vais pouvoir avoir Arba'at Allah? Parce qu'encore une fois, la priorité étant d'avoir la satisfaction du divin, en fait. Donc, qu'est-ce qui était beau dans ma journée? Là, je vous ai parlé de ce fameux verset où Rabbi subhanahu wa ta'ala nous dit qalilan min ibadi yashkur, mais si vous êtes dans la gratitude, je vous en rajouterai. Donc c'est l'état psychologique le plus allez comment dire le plus positif qui soit pour pouvoir cette gratitude-là pour pouvoir inshallah et non seulement répondre à l'injonction du divin, mais en même temps être dans un état psychologique ultra apaisant inshallah. Là, je vous disais que mes patients, je leur demande d'écrire les trois kiffs de la journée, hein, on les appelle les trois kiffs. Qu'est-ce qui a été beau dans la journée? Qu'est-ce que vous avez aimé dans cette journée-là? Sans dormir dessus, parce que c'est important, d'accord? Et puis de démarrer un entretien, une réunion, peu importe quoi, mais toujours par le positif, par les réussites de la personne, par vraiment ce qui a marqué dans le positif. Et aujourd'hui, notre société va dans l'autre sens. On est toujours focus. Moi, je sais que j'ai travaillé en tant que conseillère d'orientation. On était tous focus, que ce soit les enseignants et les parents derrière, focus sur les mauvaises notes. Et on n'arrivait pas à voir les bonnes notes des enfants qui avaient des 17 et des 18 ans en dessin, en sport. C'est qu'ils ont des qualités extraordinaires, en fait. C'est qu'ils ont des qualités artistiques juste extraordinaires. Mais ça, on va s'arrêter aux mathématiques, aux français, etc. Et on oublie, oui, moi, ça, c'est rien, c'est du sport. Et ça, l'être humain, il est formé, subhanallah, pour avoir un biais de négativité. Et le but, c'est ce que j'essaie d'expliquer depuis tout à l'heure, c'est de changer le biais de négativité, hein, qui est inné à la personne, en biais de positivité. Et c'est notre religion qui nous le permet, en fait. Elle nous le permet à travers quoi? Elle nous le permet parce que, effectivement, parce que pour moi, l'islam, c'est la psychologie positive, en fait. C'est d'être toujours dans le choukr, dans le hamd, dans le bien-être, dans l'aide à l'autre, dans la gratitude éternelle et inconditionnelle. Et c'est cela, en fait. C'est vraiment pouvoir aller vers le beau, aller vers le bien, aller vers la lumière, alors que la société et toutes les sociétés, qu'elles soient européennes ou à travers le monde, nous poussent à être attirés vers le manque, vers le laid, vers ce qui ne va pas, en fait, toujours. Et les informations sont là pour ça, hein, se focaliser que sur ce qui ne va pas. D'où effectivement les troubles anxieux généralisés qui se multiplient encore de plus en plus. Donc, la dignité est un sentiment humain profond et elle donne le sens profond du beau de notre travail, s'y connecter le plus souvent possible. La dignité.
Donc, revenir à mes valeurs personnelles, hein, le respect, l'humilité, qui ne sont que des valeurs de l'islam, sens de l'engagement, sens de la responsabilité, la cohérence, l'empathie, le sens du beau, le partage, etc. Et encore une fois, ce que j'expliquais, c'est que ce n'est pas de résoudre un problème à tout prix et que parfois, nos patients n'ont juste besoin qu'un espace de parole. Et donc, il faut trouver l'équilibre, à mon sens, entre remettre du beau, du sens, du doux dans les situations de vie catastrophiques. Mais en même temps, le qui suis-je, où suis-je, quand je sais qui je sais où je vais, mes besoins, mes forces et mes vulnérabilités, pour pouvoir contrecarrer mes faiblesses par mes forces. D'accord? Donc c'est l'importance de se connecter à soi, l'importance d'apprendre à se connaître, d'accord? Peu importe la profession. Et bien entendu, faire un équilibre avec ça et les obligations et les contraintes du cadre. C'est comme ça, effectivement, que je vais pouvoir avoir cette harmonie qui va m'empêcher de sombrer dans le burn-out et dans l'épuisement professionnel. Et encore une fois, je disais que rien n'est figé en fonction de mon histoire de vie. Tout peut changer, se transformer, se métamorphoser. D'ailleurs, j'ai énormément de gens qui sont en reconversion professionnelle à partir de 40 ans. Alors pourquoi 40 ans? C'est un âge qui est décrit dans le Coran à plusieurs réponses, à plusieurs endroits, où 40 ans, effectivement, c'est la remise en cause, c'est le sens des priorités qui revient et on se rend compte que pendant des années, on a fait un travail qui n'allait pas. Et entre 39 et 42 ans, c'est là où vraiment je me dis, mais waouh, c'est pas en connexion avec moi. Et heureusement qu'on arrive à le faire, parce qu'il n'est jamais trop tard pour tout changer, en fait. Le but étant, encore une fois, hein, je le dis régulièrement, le but étant d'apaiser son cœur. Parce que, encore une fois, je dis souvent ce verset coranique, sorte de l'aube. Al-Fajr, ils nous disent, combien, ô toi, âme apaisée, Rabbi nous dit, il ne dit pas ô toi le musulman, ô toi le croyant, ô toi le fils d'Adam. Il dit, ô toi qui a apaisé ton âme. Ô toi, âme apaisée, il montre, subhanallah, quand je lis ce verset, je me dis, mais en fait, tout est dit. C'est que mon devoir sur terre est d'apaiser mon âme. Et donc, la porte qui ne m'apporte pas l'apaisement, je la ferme. Et c'est comme ça qu'on travaille avec mes patients, à essayer de voir quelle est la porte qui ne m'apporte pas l'apaisement pour pouvoir la fermer, pour pouvoir effectivement, encore une fois, répondre à l'injonction du divin. Et faire partie des gens qui seront agréés, qui ont l'agrément d'Allah Azawajal, mais qui en plus feront partie des gens du paradis. Alors moi, j'en ai même, vous voyez. Donc je pense que j'arrive à me focaliser sur l'objectif premier de ma vie, hein, l'adoration d'Allah Azawajal, pour pouvoir avoir son agrément, je dois passer par apaiser mon âme. Alhamdoulilah, là, on a tout compris. C'est pour ça que je dis que le Coran Karim, Allah El Ali El Adim, pour moi, c'est le livre de psychologie par excellence. On y trouve tout, tout. C'est pour ça que je ne peux que vous inviter à le lire, mes frères et sœurs, à le lire et à le relire et à en comprendre et à tadabbur le Coran. C'est-à-dire vraiment essayer d'analyser, pas de le lire pour le lire, mais de le lire mais qu'est-ce qu'Allah a. Parce que si vous lisez le verset que vous êtes en train de lire, c'est qu'Allah vous parle. Allah vous dit, si tu veux que je te parle, ben, lis le Coran. Et si tu veux me parler, ben, fais-moi des doigts. Et fait la salade. Et c'est important, important de comprendre ça en fait, qu'on a ce livre-là à laquelle il va falloir s'agripper si on ne veut pas se perdre. Encore une fois. Donc, quel sens je donne à mon travail? Donc, c'est la réalisation de soi. Donc, avoir, c'est quoi se réaliser? C'est avoir un sentiment d'utilité en fait, et de compétence. On sait aujourd'hui, moi je travaille beaucoup avec des parents qui n'ont pas le sentiment de compétence parentale, par exemple. Et là, c'est très difficile de jouer ce rôle-là, si déjà ils partent avec un sentiment d'incompétence. Donc, sentiment de compétence, il est très important pour pouvoir faire ce que je fais, en fait. Et faire le mieux, faire ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. D'accord? Soyez dans la persévérance et Allah aime les persévérants. Donc, avoir ce sentiment d'utilité, mais aussi être dans comment dire, le juste milieu entre le donner et le recevoir, donner pour pouvoir recevoir, et laisser une trace. Laisser une trace, hein. Encore une fois, je vous ai mis là le hadith où Rasulullah nous dit effectivement quand le fils d'Adam meurt, son œuvre s'arrête sauf trois choses, une aumône continue, d'accord, c'est-à-dire une science dont les gens tirent profit, d'accord, et un enfant pieux qui invoque Allahumma Amin pour lui. Mais qu'est-ce que moi je vais laisser derrière moi
Si j'ai cet objectif-là, c'est ce qui va m'empêcher. Si je me dis, OK, je le fais, c'est difficile, mais Inch'Allah, que ça soit une aumône continue. C'est de Rajaria. Ça peut être un livre, ça peut être des écrits, ça peut être des choses qui vont perdurer derrière moi. Et si, effectivement, je laisse Ilm Nafa, quelque chose que j'ai créé, quelque chose que j'ai pu apporter à ma communauté ou peu importe au monde, ben déjà, ça va donner du sens à mon travail. D'accord? Et si on s'éloigne, à mon sens, d'un de ces trois piliers, on risque le déséquilibre et le burn-out. Et donc, aller se rapprocher des facteurs de protection, qui est le sourire des patients, les invocations. Quand mes patients font des invocations pour moi, je me dis, mais j'ai tout gagné, en fait. Allahumma barik, et je m'agrippe à ça. C'est très important. Alors, les signes, bon, j'espère aller un peu, je vais peut-être aller un peu plus vite. Ça va au niveau du timing? Je ne dépasse pas trop. Je suis une grande bavarde, je vous l'ai dit, mon frère. Ça va aller? Oui, Vous ça me va, suivez? on arrive à vous suivre, oui. Ok, non, mais d'accord, ok. Je prends pas trop de temps, ça va. Alors, l'épuisement est le fruit d'un long parcours, le travail de reparcourir le chemin pour détecter les signes avant-coureurs. C'est toujours comme ça quand on a eu un trauma ou quand il s'est passé quelque chose. J'essaie de travailler avec mes patients sur quels ont été les facteurs déclenchants et ensuite les facteurs aggravants. Qu'est-ce qui a pu déclencher ça? Quels sont les signes avant-coureurs? Est-ce que vous les avez ressentis? Est-ce que vous l'avez vu? Vous pouvez les nommer aujourd'hui. C'est souvent un vécu de déshumanisation, comme si l'on perdait une partie de nous-mêmes. Ça, là, je suis dans la symptomatologie du burn-out. Lorsqu'on ne se reconnaît plus soi-même, le signe que quelque chose ne va plus. Je suis dans le dépassement de moi-même. Le sentiment peu à peu de déployer de plus en plus d'énergie pour accomplir son job. Et on est parfois en pilote automatique, posture de survie au travail. Chercher la force et l'énergie pour avancer. Il est là, en fait. Et ce n'est pas toujours évident quand je dois aller chercher cette force-là, que c'est plus naturel de faire ce que je fais, ça devient un des signes. Là, ça devient vraiment un des signes du début d'une dépression, et, pardon, du burn-out. Et ce qu'on appelle l'extinction du caregiving. Là, je parle surtout aux aidants. Donc, lorsqu'on se sent plus, on ne peut plus se sentir mobilisé face à la détresse de l'autre. Alors, ce qui était au départ effectivement ce qui nous motivait, le stress peut inhiber le caregiving et l'exploration. Alors, ce qu'on appelle, il y a deux choses hein, dans le caregiving, c'est la fatigue de compassion. Si vous entendez des récits d'expériences difficiles ou êtes témoin d'événements traumatiques, vous pouvez souffrir de fatigue de compassion. C'est un état de stress et d'épuisement souvent associé au domaine professionnel du care, c'est-à-dire de l'aide. Mais aussi le trauma vicariant. Trauma vicariant, c'est un traumatisme vicariant qui parle d'un traumatisme apparu chez une personne qui est contaminée par le vécu traumatique d'une autre personne avec laquelle elle est en contact. Et donc, j'arrive à ne pas dépasser le trauma de l'autre. C'est ce qu'on appelle le trauma vicariant. Et ça, il faut vraiment se poser la question et s'arrêter. Avoir un sentiment d'impuissance qui va complètement anesthésier mes émotions, c'est également un signe avant-coureur. Avoir une forme d'insatisfaction lorsque l'on devient cynique, voire méprisant. Sensation hyper culpabilisante que d'être ainsi, en plus on culpabilise, comment je peux ne pas me reconnaître dans la pro que je suis, donc je deviens très négative, sentiment d'incompétence qui s'installe encore une fois, besoin croissant de s'isoler, être dans l'indécision, la confusion, là je pense que ça peut être au-delà de la profession d'aide, mais dans toutes les professions, perte d'empathie, indifférence, épuisement psychique et physique, alors que justement l'empathie c'était la base de notre métier en tant qu'aidant. Et donc, les signes d'épuisement sont des opportunités à rechecker. Les trois points. Où est le sens et le beau? Où est-ce que moi j'en suis? Je dois ajuster quelque chose en moi. Si l'on ne prend pas un minimum soin de soi, on ne saurait être altruiste. Besoin de solitude, de se faire du bien, de me retrouver avec mon Seigneur, de m'élever spirituellement, d'apaiser mon cœur. Je dois toujours revenir à l'essentiel. J'ai pour habitude de dire que lorsqu'on n'est pas dans l'essentiel, on se noie dans l'accessoire. Et beaucoup d'entre nous pouvons nous noyer dans l'accessoire, toujours revenir au but final, au but de ce bas monde, au but de cette vie, au but de ce travail, à cet objectif premier. Je dois garder un regard positif sur mes réalisations. Si je ne me connecte plus avec mon positif, avec ce que j'ai pu accomplir de bien dans la journée, là, il y a une alerte. Quand je ne vois plus le bien du tout. Donc, les mécanismes à l'œuvre dans l'épuisement ou le découragement professionnel. La partie 3. C'est vrai qu'il est important, à mon sens, dans ce bas monde, d'avoir de la reconnaissance. L'importance de la reconnaissance des supérieurs, de mes pairs, de mes patients, du réseau pro, sa propre reconnaissance vis-à-vis de soi-même, elle est importante. Mais nous ne pouvons pas être dépendants de la reconnaissance de l'autre, parce qu'il y a une confusion après entre reconnaissance et légitimité. Je deviens légitime qu'à travers les yeux de l'autre.
là, alerte. C'est-à-dire que je suis tout le temps obligée de checker à ce que, ah, ce que j'ai fait à ton avis, c'est bien. Comment est-ce que toi, t'aurais fait? Parce que je ne sais pas si moi, j'ai. Et être dans le doute permanent. Et je disais tout à l'heure que le doute et la peur, c'était deux portes, à mon sens. Wallahu alam, c'est vraiment mes passions et la vie qui m'a appris ça, que ce sont les portes d'ouverture. Et que vraiment, il faut toujours s'interroger, faire ce pas de côté, s'interroger où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai besoin de reconnaissance? Parce que c'est le besoin premier d'être humain, besoin d'être dans cette reconnaissance. D'accord? Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas de la légitimité dans ce que je fais? Là, le danger, il est là. Pointer les failles d'une personne n'est pas la remotiver, être animé d'une envie d'améliorer et non d'attaque destructive. Si l'on n'arrive pas à se voir comme un pro de qualité, il est difficile d'avancer. Notre boulot est de réparer les autres, de les renarciser, d'aller chercher en eux le meilleur. Et que chaque personne a ce qu'on appelle des facteurs de résilience. Et le but, c'est d'aller les chercher, en fait. Mais si déjà, moi, je me perds dans mes facteurs de résilience, que j'ai, puisque Allah a dit, jamais je ne mets sur les épaules plus de quelqu'un plus que ce qu'il ne peut supporter. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai ces facteurs de résilience à l'intérieur de moi. Donc, si moi, je ne suis pas capable d'aller les chercher en moi, je ne pourrais pas aller les montrer en fait du doigt en tant qu'aidant à l'autre. Et donc, ce déséquilibre entre le donner et le recevoir, pris dans notre empathie, nous n'avons plus de limite. L'humain prend le dessus sur notre temps et parfois notre énergie, notre santé. Le point d'entrée dans la relation est la position du psy face à une souffrance. Aller sauver l'autre, donc inégalité de positionnement, le patient doit être le co-constructeur de son changement. Ce n'est pas vous. C'est lui qui va construire avec vous son changement, parce que par la prise de conscience d'où il est et de comment est-ce qu'il est en train de s'améliorer, comment l'aider à se réformer. Pouvoir déjà aussi sortir de sa position de toute puissance, sinon on ne peut pas aider. Accueillir le comment nous sommes impactés dans notre corps, dans nos émotions durant un entretien avec l'autre. Qu'est-ce que ça a réveillé en moi, ces blessures? Un thérapeute qui va mal est un thérapeute insécure. Alors que c'est de donner de la sécurité psychique à l'autre que d'être un aidant. Et donc le risque étant les réactions contre-transférentielles négatives. Toute thérapie d'une situation, le système d'attachement est activé. Les années d'expérience tentent à diminuer l'insécurité, mais le burn-out, lui, peut réactiver les systèmes d'attachement. C'est-à-dire comment est-ce que le lien d'attachement de la personne va pouvoir venir réveiller mon lien d'attachement à moi. Lien d'attachement, c'est comment est-ce que j'ai vécu dans mon enfance avec effectivement mes figures d'attachement. Est-ce que ça a été sécurisant, pas sécurisant, désordonné, enfin, désorganisé, etc. Il y a plusieurs types d'attachement. On ne fait pas ce métier par hasard, mais parfois la quadrature du cercle entre les problèmes de famille, de couple, abaisse ma disponibilité professionnelle. Et c'est là qu'on doit encore une fois mettre le holà. La grande compétence des personnes en difficulté est de nous mettre sur un piédestal. Et ça, il faut faire très attention à ça. Position de pouvoir, les patients s'illusionnent qu'on peut les sauver. La chute ne peut être que rude. Plus on a le sentiment de pouvoir, plus on se frotte à notre sentiment d'humilité. Et n'oubliez pas que notre c'est vraiment ça, notre religion nous pousse à être dans cette humilité permanente. Que Dieu me préserve de dire le je, d'accord? C'est le travail sur l'ego au quotidien, dans notre spiritualité, au quotidien. Donc faites attention, effectivement, quand quelqu'un va vous mettre sur un piédestal, de ne pas aller dans son sens et de rester dans cette humilité. Et ça, c'est pas facile, surtout si on est mal, on a ce besoin, effectivement, et donc, du coup, on peut se laisser aller là-dedans. Notre sentiment d'impuissance et de découragement va alimenter une fragilité personnelle. On cherche des justifications extérieures pour donner sens à notre impuissance, faire porter aux autres, aux patients, la responsabilité de notre impuissance face à un cas. Et c'est vrai que c'est beaucoup du ressort de notre communauté. C'est une réalité, je le vois depuis des années, en fait, que c'est toujours la faute de l'autre. On est dans cette externalité-là, pour ne pas porter la responsabilité d'eux. C'est trop douloureux. Et ça va être la faute de la belle-mère, la faute du djinn, du haïn, du sihr, mais ça va toujours être la faute de l'autre. Attention aussi à cela. C'est un dédouanement de responsabilité, mais qui est bien entendu totalement délétère. Tout comme les diagnostics, attention aussi, qui viennent figer les situations. Si les PN, un pervers narcissique, tu ne peux plus rien faire, cela fige le lien et la prise de responsabilité de ses torts dans la relation. Et alors là, on pourrait faire tout un débat, mais ce n'est pas du tout le lieu de la perversion narcissique qu'il est, parce que là, on en parle tellement. Et moi, ça me. Dans tous les sens, en fait, tout le monde devient PN, c'est gravissime. Alors qu'il y a toute une graduation, en fait, c'est une vraie pathologie mentale, et il faut faire attention avec cette dénomination-là. Et figer, mettre un diagnostic, pour moi, c'est mettre
une étiquette aussi. Faire très, très attention parce que du coup, ça déresponsabilise l'autre. La responsabilité est la base de ma liberté. J'ai encore du pouvoir et je peux changer les choses en me responsabilisant. Là où la culpabilité, je n'ai plus le pouvoir de rien, je suis résigné. Et Rabbi subhanahu wa ta'ala, quand on lit le Coran, quand on, vraiment on arrive à être dans cette tadabbur du Coran, à comprendre, Rabbi ne nous culpabilise jamais, il nous responsabilise. Et ça, c'est important de comprendre ça. Que dans notre spiritualité, on ne va pas être dans cette culpabilité qui va être dans cette résignation qui va nous empêcher d'avancer. Là, il veut qu'on avance. Donc, je me responsabilise, mais je ne reste pas bloqué dans cette culpabilité. Penser, c'est introduire de la complexité et sortir des certitudes toutes faites dont se gargarisent beaucoup de personnes sur Terre. Et c'est pour ça que Rabbi subhanahu wa ta'ala, pas moins de 800 fois dans le Coran, nous dit subhanallah, 800 fois dans le Coran, il dit, oh, tu as une intelligence, utilise-la. Mets des mots sur tes mots. Essaye de comprendre où est-ce que tu en es. Alors, bon, essaye de mettre des mots sur des mots. Et donc, comment développer? Alors, et là, ça y est, c'est la conclusion. J'arrive à la conclusion, parce qu'on va laisser le temps pour les questions-réponses, Inch'Allah. Comment développer notre sécurité de thérapeute? Parce que pour être sécurisant, il faut être en sécurité nous-mêmes. Donc, hygiène de vie, parce que nous sommes, bien entendu, et ça, je le vois tous les jours, les cordonniers les plus mauvais chaussés. Donc, nous donnons de très bons conseils à nos patients que nous appliquons pas toujours. Hein, c'est bon pour les autres, pas toujours pour nous. Avoir une sécurité avec un superviseur, je pense que c'est très important aussi d'être dans cette supervision. Même moi, j'ai 25 ans d'expérience, je me fais encore superviser. Donc, je pense qu'on a toujours besoin effectivement de la lumière de l'autre et de se sentir en sécurité, surtout si on tombe dans un burn-out. Réflexion sur sa propre histoire d'attachement. Je pense que c'est très important quel style avec mes différentes figures d'attachement dans l'enfance et comment est-ce que cela a évolué. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui avec mon lien d'attachement? On sait et on explique énormément de pathologies mentales aujourd'hui à travers le lien d'attachement, le lien primaire des caregivers, de ceux qui ont dû prendre soin de nous, c'est-à-dire nos parents. Quel a été effectivement ce lien-là? Ça explique énormément de choses aujourd'hui, mais quel est le mien déjà? Je crois que c'est important de se poser la question pour que la pathologie de la personne et que la blessure de la personne ne vienne pas faire écho en moi si le mien est déjà fragilisé, mon lien d'attachement. D'accord? Ça, c'est important. Là, je résume un petit peu tout ce qu'on a dit. Suis-je à l'aise à demander de l'aide aujourd'hui? C'est vrai que ce n'est pas évident du tout. Mais est-ce OK de me montrer fragile à mes proches, à un collège, un collègue, pardon, ou à un soignant? Où est-ce que j'en suis avec ça? Quel impact sur mon caregiving? Quel est l'impact de mon épuisement professionnel sur ce que moi je peux donner à l'autre? Sous stress, tendance à régresser aux stratégies d'attachement archaïques. Le stress, effectivement, il nous fait énormément régresser en fait. On n'arrive plus à être dans cette conscience, à mettre des mots, à faire le pas de côté dont je parle. Et donc, je voulais partager mes propres rituels. Mon premier rituel, c'est déjà ce verset coran. Je trouve qu'il est d'une puissance. Et je m'y accroche beaucoup, en fait, parce que je sais que Rabbi Subhanahu wa ta'ala, quand il dit une parole, elle est toujours à dessein. Et là, il nous dit, donc sur le Al-Furqan, hein, la sourate numéro 25, le discernement, versets 63 et 64. Et je trouve ça, mais d'une force. Rabbi Subhanahu wa ta'ala nous dit, A'oudhou billahi minash-shaytanir rajim, وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبتهم الجاهلون قالوا سلاما. Et ça, c'est important parce qu'on est tellement intrusé, effectivement, parfois par la pathologie des gens, par le fait que beaucoup de gens, effectivement, aiment énormément montrer du doigt, aiment être dans le sarcasme, aiment être dans cette méchanceté gratuite, etc. Et Rabbi nous dit, oh, il nous dit, il parle des serviteurs du Tout Miséricordieux, ceux qui marchent humblement, ceux qui ont cette humilité d'être, et qui, lorsque les ignorants, alors est-ce que c'est la bonne, les ignorants, s'adressent à eux, les ignorants, moi j'y mettrais même les gens, effectivement, qui sont tellement mal avec eux-mêmes, qui vont être dans la projection de leur mal-être, et être dans cette méchanceté gratuite, on va dire, qu'est-ce que je vais leur répondre? Je vais leur dire, salam, paix. Mais comment est-ce que je vais trouver cette paix? C'est ça surtout le plus important. Et bien le verset coranique d'après, il nous le dit, qui passent des nuits prosternés et debout devant leur Seigneur. Subhanallah. Sujadan wa qiyaman, c'est-à-dire que je vais aller prendre ma force dans la verticalité, dans le qiyam al-layl, dans effectivement quelques minutes avant le fajr, je vais prendre cette force-là pour pouvoir dans l'horizontalité disséminer de la paix, de la lumière.
Mais je ne peux pas la voir en tant qu'être humain, je dois aller la chercher. Et subhanallah, ça pour moi, c'est vraiment important. Et peu importe dans quelle sphère professionnelle je travaille, il est important de se connecter toujours, toujours à l'essentiel pour ne pas se noyer dans l'accessoire. Et puis bien sûr, toujours se rattacher à ce hadith qui nous dit les gens les plus aimés par Allah sont ceux qui sont les plus utiles aux autres et les actions les plus aimées par Allah sont celles qui participent à donner de la joie à un musulman, soit en le soulageant d'une stress, soit en remboursant une dette à sa place, etc., ou en soulageant sa faim. Et c'est ça en fait, c'est pourquoi est-ce que je fais ce travail? Est-ce que je suis utile à l'autre dans le travail que je fais? Et c'est ça en fait, c'est par là qui va nous éviter d'être dans le burn-out. Mais aussi ce fameux hadith qui nous dit celui qui ne fait pas miséricorde envers les gens. Allah Tout-Puissant ne lui fera pas miséricorde. Donc c'est important d'être dans cette miséricorde. Mais déjà, je dois me la donner à moi-même. Beaucoup de gens sont tellement intransigeants avec soi, avec eux-mêmes, tellement difficiles avec eux-mêmes qu'ils ont du mal, malheureusement, à pouvoir être dans la rahma avec l'autre. Un autre rituel, ma doua préférée depuis toutes ces 25 ans, c'est Allahumma a'ini an'ina an-nas. Vraiment, je la partage avec vous avec plaisir. Et c'est ce que j'ai toujours, chaque matin de ma vie, dit à Allah Azzawajal, c'est pas demander à Allah Azzawajal, aide-moi à aider les gens. Et ça, vraiment, c'est d'une force, à mon sens, parce que Rabbi subhanahu wa ta'ala nous dit, ne l'oubliez pas, faites des doigts et je vous promets de vous répondre. Et ça, n'en doutez pas. Quand Rabbi subhanahu wa ta'ala dit ça, c'est qu'à chaque fois que je vais faire une doigt, je vais être persuadé que Rabbi subhanahu wa ta'ala va me répondre, et c'est comme ça que je vais pouvoir avoir cet apaisement au cœur. Adhkar sabah wal-masa, invocation du matin et du soir. J'ai ouvert un institut, je vous avais parlé de l'Institut Respire, qui s'est transformé par la grâce de Dieu en Institut Respire maintenant uniquement pour femmes, parce que je me suis rendu compte que la femme, c'était le soleil de la maison, et quand elle brillait, ben elle donnait tous ses rayons de soleil à ses enfants et à son époux. Et donc, c'est en ligne, hein, c'est des cours en ligne. Alors, pardon, je crois qu'il y a un message. Et donc, du coup, il est important, et ça a transformé la vie de ces femmes-là, puisqu'on les a initiées, effectivement, par la grâce de Dieu, à se réhabituer simplement à faire les invocations du matin et du soir. C'est une protection contre le monde visible et invisible. Et ça, c'est très important, effectivement. C'est sa propre ruqya, j'aimerais dire, où on va se protéger le matin dans cette citadelle, hein, du musulman, donc Hasnul Muslim, matin et soir. Après avoir un rituel après chaque consultation, je crois que c'est très important que, une fois qu'on est effectivement face à quelqu'un, avoir un rituel. Hein. Ça peut être se laver les mains, ça peut être faire de la kaette, ça peut être faire le dodo. C'est important pour pouvoir retrouver son énergie, pour pouvoir être là pour le suivant. Éviter d'importer une situation difficile à la maison, mais peu importe la profession, afin de ne pas vous polluer davantage par la lourdeur des cas. Les intervisions, alors ça pour moi c'est super important, voire les supervisions avec une personne en qui vous avez confiance. L'activité sportive, j'ai pour habitude de dire que à mon sens, la vie m'a appris que l'antidépresseur numéro un, c'est la spiritualité, parce qu'on ne peut rien faire sans. Et que juste après, c'était le sport, parce que le corps, effectivement, une psyché saine dans un cœur sain. Le repas équilibré, bien sûr, le sucre à grande dose, on le sait, hein, on le sait, mais je le rappelle quand même. Hein. Et puis Voilà, les tu vas te facultés doucher, tu me cognitives, douches après. pardonnez-moi, Vas-y. empêche la concentration et facilite, attention à vos micros, s'il vous plaît, empêche la concentration et facilite la dispersion. Et enfin, des plantes dans vos bureaux respectifs. C'est tellement important d'avoir cet oxygène, hein, que des plantes. Épuration du bureau, hein, je me suis rendu compte que c'est tellement important de ranger son espace de travail. Parce qu'effectivement, ça coupe les énergies que d'avoir des amoncellements de choses. Ça, c'est vraiment des choses que je vis et que j'ai vécues au quotidien, que je partage tout simplement avec vous. Si possible, éviter l'éloignement de deux lieux d'exercice, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans un lieu à mi-temps et dans un autre lieu, et sinon, préférez les transports, sinon ça peut être très difficile. Et surtout, faites vous-même une thérapie afin de ne pas sombrer avec le patient qui partage les mêmes blessures que vous. Et pour la petite... Je l'ai essayé moi-même, hein, moi qui suis électrosensible, franchement, la tourmaline, je ne sais pas si vous connaissez, mais elle absorbe les ondes électromagnétiques, je trouve ça magnifique. Donc, dans un endroit où il y a énormément, subhanallah, comme on est bombardé, je pense qu'on ne se rend pas compte en fait. Et que des gens qui étaient dans une énergie juste extraordinaire arrivent par toutes les ondes électromagnétiques qui nous entourent, hein, j'ai donné beaucoup de conférences à ce sujet-là, arrivent complètement à nous saper le moral. Et même des personnes que je connaissais qui étaient très, très, très positives à la base, arrive à être
Là, j'étais par la grâce de Dieu en Omra très récemment. Et subhanallah, j'ai été mais étonnée que sur l'esplanade de la Mecque, pas loin de la Kaaba, ils ont, mais subhanallah, je ne comprends pas en fait, comment est-ce qu'on a besoin de la 5G? Bombardée, mais bombardée d'ondes électromagnétiques. Et c'est vrai que l'énergie, du coup, on la ressent. Mais la tourmaline, c'est vrai que si vous pouvez en avoir, c'est une pierre hein, que vous achetez, on peut pas. Vous pouvez le trouver un peu partout, mais sur Internet. Et vraiment, c'est vraiment là pour. Bon, beaucoup n'y croient pas, hein, mais en tout cas, moi, j'ai vu les effets et que près des ordinateurs, etc., ça peut beaucoup, beaucoup vous aider. Donc, je vais laisser la place aux questions-réponses, Inch'Allah. Et bien entendu, terminer avec ce magnifique hadith qui nous dit Omen la yashkuru qalil ou la yashkuru kathir, Omen la yashkuru nas ou la yashkuru Allah. Alors, je vous remercie d'avoir été là pendant plus d'une heure. À m'écouter, Allah jazikoum bi alfi khair. Celui qui ne remercie pas la minorité ne remercie pas la majorité, et celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Azza wa jalla. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillah. Merci, Madame Leila, jazakallah khair pour cette présentation qui instille de l'espoir et de l'optimisme dans un monde professionnel qui devient de plus en plus toxique à travers le monde, non seulement dans le monde industriel, mais même dans le monde sous-développé, entre parenthèses. Non. Le monde sous-développé, il y a le même. C'est des différences un peu de qualité ou de forme, mais l'atmosphère professionnelle est partout difficile. Donc, on ouvre Exact, un peu, malheureusement. oui, on ouvre le débat s'il y a des questions. Vous pouvez poster vos questions soit par écrit sur la fenêtre du chat ou les poser directement oralement. Ma première question, c'est que je pense que, d'après ce que j'ai compris, c'est que pour vraiment un peu surmonter les problèmes liés au travail, la première chose à faire, c'est redéfinir un peu la place du travail dans la vie. Est-ce que vraiment, parce Exactement. que si investir dans une grande importance au travail, ça finit un jour ou l'autre par une grande déception, c'est ça un peu? Ben oui, c'est comme donner un petit peu, être entièrement tourné vers l'humain et uniquement vers l'humain, c'est-à-dire être dépendant, donc être dépendant de son travail, dépendant d'un être humain, que ce soit peu importe qui, hein, que ça peut être mes enfants, ça peut être mon époux, ça peut être mon. Ben, on va être amené à être déçu. Et que Rabbi Subhanahu wa Ta'ala dit, mais ne soyez dépendant que de moi. Et le but étant effectivement d'avoir cette verticalité pour pouvoir nourrir mes relations horizontales et ne pas rester bloqué dans ces relations-là. Et d'être toujours dans l'essentiel pour ne pas se noyer encore une fois dans l'accessoire. Et faire du but de sa vie le travail, bah c'est ne pas, à mon sens, avoir le sens des priorités qu'attend Allah Subhanahu wa Ta'ala de nous, fiqh al-awlawiyat. Et que j'ai créé l'être humain et le djinn uniquement pour m'adorer. Donc le but étant effectivement de revenir à l'essentiel pour ne pas effectivement être déçu par un travail qui est mené que par des êtres humains et que nous sommes tous finis et que nous avons tous. Enfin, voilà, nous ne sommes pas parfaits et que nous ne pouvons être que déçus si le but de ma vie n'est que le centre de mon travail ou le centre de ma famille ou les relations horizontales. Et que si on en oublie cette verticalité-là pour me nourrir et pour pouvoir mieux avancer et mieux faire mon travail, ben on se perd facilement effectivement dans le burn-out et dans l'épuisement professionnel. Et peu importe la profession d'ailleurs. On la voit à la. Merci, oui, docteur Leila. Bismillah, tu sais. Je sais pas si la docteur Leila, je sais pas s'il a levé les mains Oui, par je oui. suis là. Juste pour l'intervenante, ça parlait justement de définir des priorités dans la vie. Et j'ai l'occasion de suivre Dr. Abdelrahman Dakir, qui justement que normalement on devrait suivre, c'est-à-dire pas priorité, Allah, Ana, Thumma al-Akhar, c'est-à-dire Dieu, moi. Et en dernier lieu, il y a l'autre. Et pour l'aider justement, pour aider l'autre au mieux, il faut être soi-même bien justement. Il faut être vraiment dans toutes ses capacités physiques, mentales et émotionnelles pour pouvoir aider justement l'autre, qu'il soit malade ou ami ou la famille. Voilà, je voulais juste.
préciser Machallah, en ce fait, vous avez résumé en 2 minutes, Allahumma barak, mon heure d'intervention. C'est exactement ça. C'est d'abord Rabbi subhanahu wa ta'ala, ensuite prendre soin de soi. Pour... C'est un peu comme dans l'avion où on doit se mettre le masque à soi-même avant de mettre à nos enfants. Sinon, on n'est plus du tout efficace ni compétent pour pouvoir l'aider. C'est exactement ça, jazakallah. Mais sans oublier, bien entendu, le divin au-dessus de nous avant toute chose. Et ma relation au divin. Et elle toujours à être revue à la hausse, toujours et encore. Où est-ce que j'en suis? C'est important de pouvoir se. Pas se culpabiliser, mais se dire, mais où est-ce que j'en suis dans ma spiritualité? Parce que c'est ce qui va me donner l'énergie, en fait, pour pouvoir être dans cette horizontalité. Wallahu. Je crois qu'il y a des Merci. questions pendant le chat aussi. Merci à vous, ma soeur. Je lis la question, vous la dites, mon frère. Je pense Oui, je qu'elle vais se la trouve à lire. la Donc, oui, de Allez-y. Inès. Naam. Barakallahu fikoum pour votre riche intervention. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse vous rétribuer. Si une personne est Amen. arrêtée pour plusieurs mois d'arrêt suite à un burn-out et après une reprise de 7 mois, on sent encore une fatigue. Et par moments, les symptômes se remanifestent de façon importante avec une fatigue, manque d'énergie, concentration fragilisée, mise de côté des bonnes habitudes prises pendant la période d'arrêt. Comment faire dans ces moments, sachant que s'arrêter une nouvelle fois n'est pas forcément la solution? Barakallahu fik. Voilà. Merci Inès Barakallah pour cette question. En fait, le but étant, et c'est comme c'est ce que je tente d'apprendre à mes, ce qu'on apprend à nos patients en fait, c'est d'essayer de comprendre en fait le pourquoi déjà je suis arrivée là. Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que j'en suis de cette situation-là? Mettre des mots et prendre conscience de mon état aujourd'hui. D'où est-ce qu'il peut venir? Quels sont les facteurs déclenchants, les facteurs aggravants? Parce que si effectivement je ne mets pas du sens dans j'ai pour habitude de dire, il y a une sagesse derrière toute épreuve. Et donc, si j'ai cette épreuve-là où je suis épuisée, je suis par terre et je ne ressors pas le sens de ça, bien sûr que 7 mois après, je ne vais pas être bien. De nouveau, ce n'est pas parce que je ne me suis pas reposée et que je ne suis pas restée allongée, c'est qu'énergétiquement et psychiquement, je n'ai pas compris pourquoi. Et Rabbi subhanahu wa ta'ala, à chaque fois qu'il va nous éprouver, c'est pour que je m'améliore. C'est comme une maman qui est en train de dire à ton enfant, mais attends, tu te fourvoies. Et donc, par amour pour nous, c'est pour ça qu'il nous dit, quand Allah aime quelqu'un, il va l'éprouver. Donc, si déjà je vis cette épreuve comme étant un signe d'amour d'Allah, elle n'a pas le même goût. Elle n'a plus du tout le même sens, en fait, cette épreuve. Et deuxièmement, je dois y mettre du sens. Tu vois pas, tu n'analyses pas, tu comprends pas, tu ne te souviens pas 800 fois. C'est-à-dire que quand il m'arrive effectivement un ipsila, parce que c'est une épreuve, de devoir s'arrêter, d'être par terre physiquement, de ne pas pouvoir être efficace, c'est déjà de se poser la question de qu'est-ce qui a fait, pourquoi j'ai pas vu les signes avant-coureurs? Qu'est-ce que Rabbi subhanahu wa ta'ala veut me dire à travers cet arrêt, à travers ce burn-out, on l'appelle comme on veut, cet épuisement? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Que je ne prends pas assez soin de moi, que je suis trop dans l'autre, que je suis trop dans l'idéal de l'autre, je suis trop en train d'idéaliser mon travail ou idéaliser mes collègues ou idéaliser... Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis avec moi-même? Rabbi subhanahu wa ta'ala, il vous arrête pour que vous puissiez comprendre les choses. Et donc, il vous invite à comprendre. Si vous ne comprenez pas, si vous ne mettez pas des mots sur vos mots, hein, comme j'aime à le dire, MAX, bah, automatiquement, rebelote. Et rebelote, et rebelote. Et Rabbi yarfa alik al bala, et Rabbi subhanahu wa ta'ala, il va soulever cette épreuve qu'à partir du moment où vous allez y mettre de sens. Parce qu'il y a une hikma. Et si vous n'arrivez pas à comprendre la hikma, effectivement, mais ce n'est jamais pour rien. C'est pour vous améliorer que vous êtes tombé dans cette fatigue-là. Dans quelque chose, dans mon rapport au divin, dans mon rapport avec mes proches, dans mon rapport avec mon travail, c'est un stop qui sera toujours bénéfique. Mais si effectivement vous n'avez pas trouvé le sens de ça ne peut que recommencer. Et ça ne va recommencer. Et ça peut se re... Moi, j'ai des gens qui sont en burn-out depuis 10 ans. 10 ans. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Qu'est-ce pour pouvoir. Vous voyez? Subhanallah. Donc, Allahu a'lamu a'lam, ma chère Inès, en tous les cas, bon courage à vous. Allah yahfadak, inshallah, Allah yashafik. Mais juste posez-vous et mettez du sens. Et puis, il y a des gens qui sont là pour vous aider éventuellement si vous n'y arrivez pas. Allah yassahal alik, inshallah. Yiftah alikul abwab. Alors, vous avez... il y a d'autres Mais questions dans le... sur le chat, je pense pas. Je sais pas. Mais vous pouvez prendre la parole, hein, mes chers frères et sœurs, il n'y a pas de souci. Mais Et puis, ça peut dépasser aussi le cadre de l'épuisement, si vous voulez. Oui. Donc, madame, ne pas importer les situations difficiles à la maison. Ça, c'est vraiment, c'est
Bon, c'est facile à dire, mais sur le plan pratique, c'est vraiment quasiment impossible d'avoir des Ouais. problèmes là. Ça, c'est vraiment comment faire, surtout quand le couple travaille tous les deux. Donc, le soir, c'est un peu le problème qu'on jette à la table et que vraiment ça envenime l'atmosphère familiale. Mais Comment oui, mais réellement c'est pour ça. pratiquement faire, comment le faire vraiment pour surmonter? Parce que parfois, c'est insurmontable, c'est vraiment, ça nous pèse, ça Alors, pèse sur tout le monde. déjà, je pense que à la sortie, c'est pour ça que je parle de rituel. Je pense qu'il est important entre le travail et la maison d'avoir un moment où je vais traverser un parc ou où je vais me faire des méditations dans ma voiture, où vraiment je vais me déconnecter de ça. Ça, c'est très important. Vraiment, pour moi, c'est primordial pour ne pas polluer l'atmosphère à la maison. Maintenant, si c'est douloureux, si c'est difficile, si je n'ai pas pu avoir mon rituel et que j'arrive à la maison, bah, il est important effectivement déjà de pas en parler à table. À table, c'est vraiment l'espace de parole des enfants pour que les enfants puissent un petit peu se sentir écoutés, qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, etc. Et ne pas apporter les problématiques. Maintenant, si je dois vraiment parler parce que j'ai aussi besoin de l'avis de mon épouse et de mon époux, ça c'est normal, à ce moment-là, voilà, peut-être trouver un moment où vous êtes seul à prendre le café après le moment dîner, où vous pouvez en parler, mais que ça reste ponctuel en fait. Je vais vraiment ritualiser où ça va être un moment où, okay, tiens, j'ai une problématique, qu'est-ce que toi t'en penses? Juste pour pouvoir avis de l'aller de l'autre et pour pouvoir me vider aussi, parce que parfois c'est très douloureux, mais savoir l'arrêter, parce que parfois ça prend des ampleurs, des ampleurs, des ampleurs. Et vraiment, pour l'avoir vécu, je sais que ça peut être très douloureux pour l'entourage, et ils n'ont pas demandé ça en fait, ils n'ont pas besoin de ça. Mais en même temps, moi j'ai besoin. Et les supervisions sont là pour ça. Les supervisions, l'aide en tant qu'aidant, il faut aussi l'accepter. Là, je préfère aller déposer ça parce que ça a été super douloureux pour moi auprès de quelqu'un en plus qui est professionnel mais ne pas polluer ma propre famille. Je sais que ce n'est pas facile, mais parfois, il faut aussi savoir vraiment s'arrêter pour ne pas polluer en fait, polluer l'autre et faire que parfois ça crée des tensions. Parce que moi, j'ai eu des couples où, ben moi, je te raconte, je te raconte, je te raconte, l'autre, enfin, l'un des deux conjoints n'est pas d'accord avec l'autre. Mais en même temps, je t'ai demandé ton avis, donc il a le droit de ne pas être d'accord. Et ça repart en conflit. Donc, non, non seulement j'ai pollué l'atmosphère, j'ai pollué la soirée, j'ai pas eu la réponse à ma question, mais en plus, je pars en dispute avec mon époux. Non, après, il va falloir aussi savoir s'arrêter. Ce n'est pas évident. Et si vraiment ça déborde, là, il faut aller voir un professionnel en la. Sur le côté aussi, pour donner du sens aux problèmes professionnels, c'est-à-dire que généralement les problèmes ou les burn-out ou les difficultés ne naissent pas comme ça. Et avoir confiance en sa propre capacité de pouvoir surmonter est évident. Et on retrouve ça dans le Coran surtout, quand Allah a dit qu'Allah n'impose pas à une âme plus qu'elle ne peut supporter. Non, Donc, c'est de la triste la maintenant donc il c'est. faut ce qui est explicitement même implicitement dans le verset, c'est que si on cherche vraiment en soi cette capacité de résister, d'endurer, de la résilience, on peut la trouver. Il suffit surtout de la chercher. Et c'est exactement ça, c'est exactement ce que je disais, Barakallah, fait, c'est que si Rabbi nous dit je ne mets pas sur les épaules de quelqu'un plus que ce qu'il peut supporter, c'est que nous avons des facteurs de résilience. On en a tous, peut-être pas les mêmes, pas au même degré chacun, mais on a tous des facteurs de résilience. Il est adl. Si on a donné à l'un, il a donné à l'autre. Il faut juste se reconnecter à ça, donc à ce sentiment de compétence, pour pouvoir aller trouver ces facteurs de résilience que nous avons tous et que nous allons développer. Et auprès, comment les développer? C'est d'abord dans cette verticalité et d'abord dans notre spiritualité, avec ce shukr, avec cette hamd, avec l'objectif premier de notre vie, etc. Et puis à travers les doigts, à travers les invocations et les demandes. Et c'est comme ça qu'on va faire grandir ces facteurs-là, mais déjà être conscient et être connecté à ces facteurs de résilience que nous avons tous. Je suis absolument d'accord. Absolument. Et donc, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, être sûr effectivement de mes compétences, développer mon sentiment de compétence, wallillahi alhamd. Avec le temps, c'est beaucoup plus facile hein, qu'au début de ma carrière, mais me dire, mais en fait, je suis capable. Et que si dans ce travail-là, je ne me sens pas capable, c'est qu'il n'est pas fait pour moi et qu'il ne va pas me développer mes capacités de résilience. Et il ne va pas développer mes compétences. Donc, effectivement, je cherche autre chose. Mais je ne peux pas rester dans un travail, effectivement, qui va faire que je vais être confrontée plus à mes manquements, plus, effectivement, à mes faiblesses qu'à mes forces. D'accord? Parce que je ne vais pas pouvoir. Donc, il y a cette verticalité et il y a qu'est-ce que je fais
ce que je suis en train de faire au sein de mon travail au quotidien, est-ce que ça me renforce dans ma capacité à me connecter à mes compétences ou pas? Donc c'est à nous d'aller chercher cela en fait. Mais on en a tous, ça soyez-en persuadés. Merci pour ce retour, mon cher frère. Avez-vous un positionnement? Ouais. Allez-y, docteur. Oui, vous pouvez. Avez-vous un positionnement par rapport aux antidépresseurs? En prendre ou rester focus et renforcer son cerveau cool? Je n'ai pas les effets des prises médicamenteuses, mais je me questionne par rapport au ratio renouveler son cerveau cool et preuve antidépresseur. Alors, mon très cher docteur, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Alors, antidépresseur. Effectivement, moi je disais tout à l'heure que l'antidépresseur premier, c'est le tawakkal, c'est le yaqeen, c'est le shukr, c'est notre spiritualité. D'accord? Ça, c'est pour moi l'antidépresseur premier. Maintenant, je ne suis pas d'accord de dire que, ah, va travailler ton tawakkal, ça te suffit. C'est que tu ne t'en... Ou alors être dans l'accusation, c'est encore plus violent, de dire, oui, non, mais c'est parce que tu n'es pas assez dans le dîn ou tu n'es pas assez dans la spiritualité, voilà pourquoi tu en es dans la dépression. Non, 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 c'est faux, en fait. On peut être un très bon croyant, une très bonne croyante, mais effectivement, vivre des multitraumas qui font qu'aujourd'hui, bah, je me sens dépassée et j'ai beaucoup de mal. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la dépression, c'est physiologique. C'est-à-dire qu'il va vous manquer de la sérotonine. C'est-à-dire que c'est physique, c'est psychique, mais c'est en même temps, c'est psychique, d'accord? Parce qu'on a vécu du trauma, qu'on n'a pas pu chercher nos facteurs de résilience à ce moment-là. Mais physiologiquement, si on avait une mesure à faire au niveau du cerveau, il nous manque de la sérotonine, il nous manque de la dopamine, l'hormone du bien-être, la sérotonine, des endorphines en fait. Elles sont diminuées au niveau du cerveau. Donc qu'est-ce que va faire l'antidépresseur? Il va nous rajouter, hein, à des moments où il y a des recaptures de sérotonine, il va nous rajouter de la sérotonine. Donc je ne suis pas contre les antidépresseurs. Et moi, j'appelle ça une canne. En fait, on a besoin d'une canne. Maintenant, j'ai eu plusieurs cas de figure. Pour tout vous dire, moi, je commence par les plantes. Je commence, alors ça dépend du degré de la dépression, mais je ne commence jamais directement parce que, je ne sais pas, vous, mon cher docteur, vous allez, moi, j'assiste sur Paris chaque année au congrès des psychiatres, un gros congrès international. Et c'est vrai que enfin, on a compris. Ça faisait des années, là, on comprend, et les psychiatres même nous disent qu'au bout de 2 années d'antidépresseurs, l'antidépresseur ne fait plus d'effet. Je ne sais pas, vous allez me donner, ça me ferait très plaisir d'avoir votre avis, très cher docteur, qu'au bout de 2 années. Alors que moi, je pense que c'est une canne, on en a besoin. Maintenant, je commence par les plantes. Parfois, les plantes ne suffisent pas. C'est une réalité. Donc, ne suffisent pas. Parfois, ça peut faire du bien. Alors, moi, je travaille beaucoup avec la griffonnière. Griffonia, pour moi, c'est l'antidépresseur par excellence. Alors, il y a deux plantes. Hein. Il y a la millepertuis que j'aime pas trop parce qu'il y a des effets au niveau de la lumière, etc. C'est photosensibilisant. Mais aussi la griffonia. La griffonia, moi, je vois qu'avec des patients. Il y a de la résistance même à la plante parce que c'est très profond et que ça dure depuis des années. Ben oui, je ne suis pas contre en fait. Si ça peut aider, maintenant on ne va pas le prendre pendant 10 ans. Moi j'ai des patients, ça fait 20 ans qu'ils sont sous antidépresseurs. Non, ben non, 20 ans, ça ne fait plus d'effet depuis longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu n'en as pas réglé? Quel est le sens que je n'ai pas capté? Quel est le mot que je n'ai pas mis sur mes mots? D'accord? Donc, arrivé à un moment, je si les plantes ne marchent pas, ben je passe en antidépresseur, mais en se disant que vite, vite, je fais un travail thérapeutique derrière pour comprendre, en fait. Le but étant de comprendre, la falette arkeloun, la falette obsélon, ne l'oubliez pas. C'est comprendre, en fait, pourquoi tu en es arrivé là, pourquoi j'arrive dans une dépression. Et ce n'est pas seulement parce que j'ai pas de foi. C'est vrai que la foi aide énormément, je le vois bien. Comment est-ce qu'à travers les adhkar, le sabah, adhkar, le masa, etc., on peut vraiment s'élever spirituellement et sortir d'une dépression. Maintenant, si j'ai besoin, ben. Je ne vais pas être dépendante. Je sais que j'en ai besoin pendant un temps et j'avance. Maintenant, peut-être que le docteur Zoubir va nous dire autre chose ou autrement, mais j'aimerais bien avoir votre avis aussi là-dessus, en tant que psychiatre. Non, Mon cher. pour les burn-out et les problèmes d'environnement, je sais que les antidépresseurs ne règlent pas le problème de fond. Donc, le problème de fond, c'est psychologique. Mais ils peuvent aider certaines personnalités un peu fragiles. Pendant certains moments, ça peut être Ça. très, très utile. Mais ça reste un traitement symptomatique. Et bien sûr,
à dose et selon chaque patient. Donc, mais pas aller trop et ne compter que sur les antidépresseurs. Ça, D'accord. c'est sûr. Ça, c'est sûr. On compte Mais jamais pour une. certaines personnes, c'est vraiment, surtout pendant des phases aiguës ou dans les phases vraiment, ils sont dans un état de désespoir ou ils sont dans un état d'anxiété ou un état de désarroi, que vraiment il faut un peu de médicaments juste pour les calmer, le temps de un peu reprendre le dessus. C'est ça, et de te retrouver la capacité cognitive à pouvoir mettre des mots sur les mots. Oui, Absolument, parce que parfois on est dans la confusion totale. Donc, moi, une autre question avant Quand de on est dans la passer à confusion, on ne celle. peut pas mettre des mots sur nos mots. Donc si Voilà, c'est ça. effectivement une drogue, ce que vous appelez une drogue, va pouvoir m'aider pendant un temps, oui, vous voulez poser une question, docteur? Oui, moi, je pense surtout quand on est dans des conditions structurelles de travail vraiment intenables et qu'on ne peut pas supporter, mais en même temps, on ne peut pas changer. Parce que, je sais, peut-être en Europe, il y a une certaine fluidité du travail, une certaine flexibilité, où les gens peuvent faire de la reconversion et de changer de travail, même à un âge un peu avancé. Mais dans d'autres pays africains, les structures de travail sont déjà, le travail, le chômage est assez élevé, puis on ne peut pas changer de travail aussi facilement, pas faire de la reconversion. Et souvent, les gens se retrouvent dans une situation professionnelle conflictuelle permanente. Et là, ça risque vraiment d'entraîner des troubles psychiatriques un peu induits qui peuvent vraiment être insolubles, même sur le plan psychique. C'est ça un peu comment faire quand on est dans une situation vraiment qu'on ne peut pas changer et qu'elle est délétère pour notre santé. Alors ça s'est coupé au début de votre prise de parole, je suis désolée docteur. Donc la question c'est comment faire, pardonnez-moi, est-ce que j'ai pas suivi du tout le début, ça s'est figé, j'ai pas compris. Et comment faire quand on est dans une situation difficile, conflictuelle et délétère, mais qu'on n'arrive pas à changer on n'arrive pas à changer de travail ou changer de milieu professionnel? Et qu'on ne peut pas changer les gens qui nous entourent et qu'on ne les changera Oui, jamais. c'est. Hein. C'est Voilà. ça. Non, mais oui, mais. J'aimerais vous dire de prime abord à Salt Istikhara, parce qu'on a un joyau dans notre religion, c'est d'essayer de poser, si je suis dans la confusion, je ne sais pas quoi faire, je demande à Dieu. Ça, c'est la première des choses, Salt Istikhara. Essayer de comprendre, en fait, qu'est-ce qui est solvable, pas solvable, comment est-ce que c'est mes réactions à moi, est-ce que c'est comment dire, le comportement inadapté d'une personne, est-ce que c'est peut-être l'emprise sur laquelle je suis de mon supérieur. Déjà, mettre des mots, ça, c'est clair et net, de mettre des mots. Et ne pas toujours être dans l'externalité comme on peut l'être très souvent, à se dire ah ben, c'est la faute du chef de service, c'est la faute du collègue, c'est la faute, c'est peut-être aussi la faute de mon comportement à moi. Peut-être que j'ai fait trop confiance, peut-être que je me suis j'ai trop délégué, peut-être que j'ai trop donné. Peut-être il y a ça aussi hein, en fait. Donc dans une situation inextricable, ben, il faut déjà mettre des mots dessus, essayer de comprendre d'où est-ce que ça vient. Maintenant, oui, si j'ai besoin de me mettre en arrêt juste pour pouvoir mettre des mots, je ne me mets pas en arrêt que pour dormir, je me mets en arrêt pour mettre des mots, encore une fois. J'insiste beaucoup parce que c'est une injonction du divin aussi à me dire, mais d'essayer de comprendre ce qui se passe. Si vraiment, vraiment, j'arrive pas, bah, il y a des professionnels pour vous aider. Mais arriver à un moment où je sens que c'est inextricable, que les gens, je ne peux pas les changer, que mon chef de service me met sous emprise totale. Bah, qu'est-ce que je viens d'apprendre là? Bah, que je suis moins malléable aussi. C'est-à-dire que dans toute situation, même inextricable, j'en apprends sur moi. C'est-à-dire que si mon collègue ou mon supérieur me met sous emprise, ça me rend dingue et que je suis dans une situation où je ne les changerai pas et je ne pourrai rien changer, mais c'est peut-être aussi, Allah, il est en train de vous dire là, que comme je vous dis tout à l'heure, c'est Allah, c'est parce qu'il vous aime qu'il vous éprouve, bah, que vous êtes manipulable. Donc pourquoi vous êtes manipulable? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'estime de soi? Qu'est-ce qui se passe au niveau du don de soi? Qu'est-ce qui se passe au niveau de ma spiritualité? Vous voyez? C'est aussi ça. Si je suis manipulée, c'est que je suis manipulable. Si on m'a traité ou maltraité, c'est que aussi, moi, je me suis laissé faire. Donc, peut-être que je n'ai pas mis le holà là où il fallait. Donc, ça m'en apprend énormément sur moi, déjà. Et dans toute situation, quelle qu'elle soit, même la plus inextricable qui soit, il faut déjà que tu mettes du sens. Qu'est-ce qu'Allah Azzawajal a voulu te dire? À travers le fait que. Qu'effectivement, je suis là, je suis au pied du mur. Mais pourquoi tu as été jusqu'au pied du mur? Pourquoi tu n'as pas vu les signes d'avant-coureur? Pourquoi est-ce que Rabbi Sprintala peut-être t'a donné des signes et que tu n'as pas voulu voir? C'est quoi cette obsession que tu as eue d'aller, et là tu te retrouves face au mur, etc. etc. Vous voyez, il y a énormément à apprendre dans toute situation de nos vies, quelle qu'elle soit. Et j'aime à dire, même si je suis face
Voilà, le pire des cas qu'on entend un peu partout, ce fameux pervers narcissique, que ce soit des femmes ou des hommes, parce que c'est trop facile de dire qu'il y a des hommes. Moi, je connais des femmes, ouh là là, elles sont encore plus viriles d'autres que les hommes. Que Dieu, Inch'Allah, nous en protège, mais des gens qui sont vraiment dans cette psychopathologie-là. Mais si un acte l'a envoyé, c'est qu'il y a des choses à changer en toi. Si tu l'as envoyé en tant qu'époux, en tant qu'époux, en tant que supérieur hiérarchique, c'est aussi peut-être parce qu'il veut que tu travailles sur qui tu es. Sur le respect que tu te donnes à toi pour ne pas être respecté par l'autre. Vous voyez ce que je veux dire, cher docteur? Donc, à mon sens, wallahu a'lam, tout est une école. Tout est... Mais il faut juste savoir rebondir et savoir qu'est-ce qu'Allah a voulu me dire à travers ça. Et donc là, je reste connecté au divin. Et je reste connecté à l'essentiel. Parce que je me dis que, voilà, il ahabballahu ahada fa abtala. Okay, moi, je le vis déjà comme ça, comme un signe d'amour d'Allah. Donc, ça n'a plus le même poids. Je ne le vis pas comme étant, oh, mais pourquoi moi? On ne dit pas pourquoi, le pourquoi tue la foi. On dit comment je vais faire pour m'en sortir et qu'est-ce que je dois apprendre de cette épreuve-là? Wallahu a'lam, cher docteur. Merci bien, dernière question, mais n'a pas rapport avec le burn-out. Docteur Barhal demande comment faire devant le sentiment d'échec en cas de suicide d'un patient qu'on connaît depuis des années. Ah, subhanallah, c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même. Alors, c'est quelque chose que j'ai vécu avec un jeune homme que j'avais hein, en tant que patient, qui avait 19 ans. C'était un homme un garçon brillantissime, et qui, malheureusement, enfin, je vous explique un petit peu, et c'est vrai que ce sentiment de désespoir, moi, je l'ai travaillé parce que, ben, moi, je suis tout simplement, quand j'ai su ça, quand j'ai su, malheureusement, que c'était à l'heure même où il devait venir à mon cabinet. Il était dans le, il est parti dans l'hôtel qui est en face de mon cabinet et il s'est suicidé dans l'hôtel. Au moment même où il devait venir, moi je sentais quelque chose qui n'allait pas, etc. Et j'ai su le soir malheureusement ce qui s'était passé. Et là, ça a été horrible pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis devant ma chaîne YouTube et j'ai fait une vidéo. Et là, la vidéo s'appelle Le déni de la maladie mentale. J'ai une chaîne YouTube, donc à mon nom, mon prénom. Et là, j'ai parlé du déni de la maladie mentale dans notre communauté. Et c'était un coup de gueule, en fait, où j'ai vraiment j'ai extériorisé toute ma peine parce que je l'avais dit aux parents qui ne voulaient pas m'écouter. Je lui ai ramené un psychiatre, je lui ai pris des médicaments, ils n'ont pas voulu lui donner. Et malheureusement, moi, j'étais schizophrène, personne n'a voulu l'entendre parce que dans notre communauté, ben voilà. Et voilà, donc c'est vrai qu'après, il y a des exutoires. Et se dire que de toutes les façons, je pense que le premier des exutoires, c'est de se dire que Rabbi Subhanahu wa Ta'ala, le jour où cette personne est née, il savait, il s'était écrit déjà le à quand et où et comment il allait mourir. Donc, je veux dire aussi que j'ai fait ce que j'ai pu faire. Donc, sentiment d'échec, on est tous, on n'est pas parfait, et que le but étant de se rattacher au peu que vous avez pu lui donner à ce patient-là, et que de toutes les façons, il est parti. Parce que c'est pas par vous, par votre incompétence, en fait. Donc, ce n'est pas un sentiment d'échec que vous devez avoir. C'est de lourdes tristesses, comme moi, j'ai pu l'avoir fait face à ce jeune homme. Énormément de tristesse. Et tristesse qu'on ne peut pas l'entendre. La maladie mentale n'est pas entendue dans notre communauté, peut-être un peu plus maintenant et encore. Parce que ça, je vous parle de ça, c'était il y a 1 an et demi. Hein. Et du coup, j'ai pu en parler, etc. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis, aller voir les parents aussi, c'est beaucoup réconforter les parents, ça m'a aussi beaucoup aidé à passer ce cap. Mais vous dire surtout que vous avez fait ce que vous pouvez avec les moyens du bord, ma très chère sœur Leïla. Et que c'était écrit comme ça et que vous ne pouvez rien y faire et que la seule chose que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est des doigts vraiment de compassion vis-à-vis de votre patient, ma très chère sœur. Wallahu a'lam. Donc on arrive à la fin, merci. Il n'y a pas de questions, je pense. Il n'y a plus de questions. Je travaille putain, et depuis que moi j'ai mon carte de santé, mon compte, ok, 4 fois. Ouais. Bah, écoutez, je vous invite à me voir peut-être, enfin moi ou notre collègue, hein, ou un autre collègue, peut-être, je pense que vous avez besoin d'aide, effectivement, de savoir ce qui se passe. Mettre des mots, encore une fois, sur vos mots, ma très chère, je ne sais pas qui, la relance métabolique, ok. Voilà, mais je pense qu'effectivement, ce serait pas mal d'avoir de l'aide, d'informer mon problème. Parce que là, ça a l'air d'être une longue histoire, donc pas de souci, ma très chère sœur, si vous pouvez, vous voulez m'écrire. Voilà. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions, si Inch'Allah, ça a Est-ce été qu'il y a assez d'autres clair. questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres messages? Voilà. Vous pouvez prendre le micro aussi, hein, mes chers frères et sœurs. Je suis Non, là ça pour vous marche ce pas le soir. micro.
Naam, ça marche pas si je vous entends. Donc c'est que ça marche, alhamdoulilah. Ah oui, ça marche. Ah, excusez-moi, Oui, c'est l'heure. ça marche. Excusez-moi, Comme ça. oui. Pas de Alors, en souci. fait, Votre prénom? j'interviens. Déjà, je vous remercie pour la conférence, même si je viens de découvrir qu'elle est là et du coup, je suis rentrée au moment Vous des pouvez questions. la revoir Mais sur juste. YouTube, je crois. Vous pouvez la revoir sur Ah, YouTube. super, bah, je vais la revoir alors. En fait, tout ce que vous avez dit là, ça me rappelle ma propre histoire, en fait, où j'ai eu 8 ans avec un pervers narcissique et que j'ai tenu et que j'ai toujours demandé pourquoi Dieu m'a mis là. S'il m'a mis là, c'est parce qu'il y avait quelque chose sûrement, parce que bon, j'ai toujours fait de bonnes études, j'ai eu un poste que je rêvais d'avoir, et bam! Mon supérieur était un pervers narcissique et je l'avais jamais deviné avant parce que je connaissais pas déjà le concept. Enfin, voilà, j'ai toujours été dans mes études, je me suis jamais posé des questions psychologiques ou autres. Je cherchais ma carrière et c'est tout. Bon, voilà, tout ça m'est tombé dessus. Je me suis battue quand même jusqu'au bout parce que je voulais finir mon projet qui témoignait de ma carrière, tout ça. C'est vrai que j'ai fini vraiment très très mal côté psychologique, donc j'ai compris aussi qu'il y avait que en fait même si on a des ambitions, on a toute la volonté du monde et la motivation, s'il y a quelqu'un derrière qui vous casse, ça finit par vous affecter, quoi qu'il arrive, même si vous pouvez être le plus fort mentalement et tout ça. Alhamdoulillah, bah, Dieu m'a aidé à m'en sortir, hein. Même avec tout ce qu'il m'a fait subir et tout ça, Dieu était toujours là jusqu'à avoir des arrêts de loi en ma faveur. Enfin, pour vous dire à quel point, alhamdoulillah, j'ai toujours cru et Dieu m'a mené jusqu'au bout. Mais maintenant, en fait, c'est le moment de la réparation, on va dire. Comment on peut retrouver cette confiance en soi qu'on avait avant? De connaître cette personne, parce que quand même travailler 8 ans avec une personne comme ça qui vous casse tous les jours, c'est même si vous êtes tout ce que enfin même si vous aviez à la base une très bonne confiance et tout ça, ça finit par vous atteindre. Et maintenant je suis vraiment dans la réparation parce qu'à la fin psychologiquement j'étais atteinte jusqu'à avoir des pathologies physiques, en fait, jusqu'à avoir Automatique. des maux de ventre où je pouvais plus me lever du lit. Bon, après, tout s'est arrêté une fois que j'ai arrêté ce travail, tout simplement. Mais en fait, la réparation, maintenant, je me demande comment elle peut être, parce que là, il faut que je me dis, ça y est, c'est fini, on a tourné la page, on peut reprendre confiance en soi et redémarrer dans la vie professionnelle Toujours, après cette toujours. étape, après avoir compris énormément de choses. Et voilà, maintenant je me demande pour la réparation, en fait, comment on peut se relever. La première réparation, hors Tilkadema, c'est déjà de comprendre pourquoi pendant 8 ans je me suis laissé insulter, rabaisser, etc. Ça, c'est la première des Bah, choses. en C'est fait, c'était vraiment quelle est la valeur? motivation carrière. Quelle est la valeur que je m'accorde, de si peu de valeur que je m'accorde pour pouvoir, que ce soit professionnel, familial, peu importe, pour pouvoir laisser un être humain pouvoir m'anéantir à ce point? Ça, c'est la bonne question à se poser. Quelle est la valeur que je me suis accordée et que je m'accorde aujourd'hui? Alors que Rabbi subhanahu wa ta'ala nous dit, j'ai honoré le fils d'Adam. Comment est-ce que je peux, moi, me déshonorer? Bien sûr, quand on est sous emprise, on ne le voit pas. Ce n'est pas conscient, bien Oui, entendu. Mais aujourd'hui, ouais. le recul, c'est déjà de mettre des mots et d'essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui a fait que, d'abord, oui, qu'est-ce que Rabbi a voulu me dire? C'est-à-dire qu'il a voulu que je change des choses en moi, d'arrêter d'être manipulable. Parce que si vous avez manipulé, c'est que vous êtes manipulable. Donc, qu'est-ce qui fait, moi, dans mes travers, dans mes faiblesses, dans mon mode de fonctionnement? Qu'est-ce qui fait que j'ai été manipulée, pas pendant un an, pendant 8 ans? Attention à vos micros, s'il vous plaît. Attention à vos micros. Merci. Qu'est-ce qui a fait que j'ai été manipulée pendant 8 ans? C'est ça la bonne question à se poser, en fait. Où est-ce que j'en suis? Et qu'est-ce qui a fait que j'ai rien voulu voir, hein, alors qu'il y avait des signes, et que j'ai laissé faire les choses? Okay? Oui, bien sûr, on est sous emprise. Donc, quand on est sous emprise, on est sourd, on est sourd, muet, aveugle, on ne voit rien, etc. Mais aujourd'hui, peut-être qu'effectivement, il te dit, mais
Donne-toi de la valeur. Donc, travailler effectivement sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, sur la valeur que je m'accorde d'abord. Hein, j'ai pour habitude de dire que c'est d'abord la valeur que je vais m'accorder qui va me donner l'estime de soi qui va me donner confiance en soi, et la confiance en soi qui va me donner l'affirmation de soi où je vais dire stop. Mais regardez, subhanallah, la graduation, si je ne me connais pas, qimti, ben je ne pourrai jamais m'affirmer et dire non. Donc, c'est tout un travail à faire aujourd'hui sur. Jusqu'à quand est-ce que je vais laisser l'autre, peu importe qui au monde, m'intruser? Et jusqu'à quand est-ce que je vais permettre effectivement à l'autre? Ça en dit long sur comment est-ce que moi je me considère. Et que bien entendu, si moi je ne me respecte pas, je ne peux pas être respectée. Personne ne va me respecter. Si moi-même, c'est quoi ne pas me respecter? C'est ne pas être aligné. Ce que je pense, ce que j'ai dans mon cœur doit être dans ma bouche. Si ma tête me dit, ah bah non, franchement, non, j'ai pas du tout envie, mon cœur me dit, oh là là, franchement, c'est trop lourd pour moi, ma bouche dit, oui, j'arrive, bah déjà là, je ne me suis pas respectée, ça suffit. Et donc, travailler sur cet alignement, effectivement, pour faire qu'effectivement, bah, je vais toujours en ayant pour objectif premier, Ardaït Allah. Est-ce que Allah, effectivement, s'il m'a mis dans cette situation, c'est que ce n'est pas quelque chose qu'il aime pour moi, en tous les cas, sinon il m'aurait laissé tranquille pendant des années, mais s'il a dit qu'il a voulu que j'ouvre les yeux, c'est pour que je puisse moi travailler et là-dessus, sur mes faiblesses, pour ne plus effectivement être manipulable, pour me reconnecter avec ma valeur, reconnecter avec moi-même, etc., etc. J'espère que j'ai répondu, mais il va falloir, pour se réparer, peut-être faire appel à quelqu'un, une personne qui va pouvoir vous aider aussi, qui sera un miroir. Hein, c'est ça la thérapie, c'est être un miroir. Et pour que vous puissiez vous regarder dedans et améliorer ce qui est amélioré. En tout cas, bon courage, ma chère soeur. Bon courage. Mais Merci. soyez juste dans le hamd que vous ayez ouvert les yeux. Rien que ça, déjà. Être dans le Oui. hamd que Rabbi Ta'ala, il a ouvert les yeux, vous avez ouvert les yeux pour que vous puissiez comprendre, effectivement, que vous n'étiez pas dans une situation qui était justement adaptée, mais totalement dysfonctionnelle. Déjà, rien que ça. Remercier Allah Azzawajal de vous avoir ouvert les yeux parce qu'il y a des gens, moi j'en connais très personnellement, ça fait 20 ans qu'ils sont sous emprise. 20 ans, c'est un truc de fou et ils n'y arrivent pas, et ils ne nous ouvrent pas les yeux. Donc, bon courage, ma soeur. Attention au micro, s'il vous plaît. Alas, bismillah. Alors, je vois, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'ai ouvert sur Salam alaikum. Oui, allez-y, je vous en prie. Oui. Salam alaikum, c'est Jamila, je m'appelle Jamila. Et je vous suis depuis un petit moment. Là, je suis rentrée. C'est bien tombé. Le sujet vraiment reflète ma situation actuelle. C'est que j'ai un grand souci. Je travaille sur l'hôpital et je suis harcelée moralement par ma cadre de santé. J'ai été convoquée 4 fois en un mois. Elle écoute les rumeurs de certaines collègues, je ne sais pas par jalousie ou par je ne sais quelconque cause, chose. Et ça me percute sur mon travail, donc je suis moins efficace, je suis irritable, je dors pas depuis un mois, je ne dors pas, ou je dors très peu, mais je vais quand même travailler parce que j'ai besoin de travailler, je m'occupe de mes patients, quoi. Et à chaque fois qu'elle me croise dans le couloir, et ben, elle me flique, elle regarde sur mon téléphone professionnel où je suis, à quelle heure. Où j'étais à telle heure et ça me pèse. Et je ne sais pas quoi faire. J'ai rédigé un mail à ma direction. On a une nouvelle directrice qui a pris ses fonctions depuis 2 mois et je n'ai pas encore envoyé parce que j'ai peur des répercussions ou je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Je suis un peu perdue dans tout ça. Vous n'avez pas Et envoyé le mail. non, je l'ai écrit dimanche. J'ai été correcte dans le mail, mais je sais que je dois en informer ma hiérarchie. Que ma cadre de soins m'harcèle, c'est un harcèlement moral parce que j'en ai informé le médecin coordinateur de ma situation. Il a entendu la conversation qu'elle a eue, les propos envers moi, qu'elle me criait dessus alors que je suis une mère de famille de 52 ans. Et je suis vraiment, mais vraiment, je ne sais pas. Le mail est rédigé, mais je ne l'ai pas envoyé. Ben, pourquoi vous l'avez pas envoyé? Peur de quoi? Parce que je sais pas, j'ai cette, je sais pas, est-ce que ça va faire des répercussions sur mon travail? Je viens de signer un CDI ça fait 4 ans que je suis dans la boîte. Je sais pas. Je fais de dehors, j'ai fait istikhara. Dans mon cœur, je veux l'envoyer.
Mais il y a d'un côté en moi, j'ai peur du après. J'ai un manque de confiance en moi, je le sais, hein. Mais c'était clair dans le mail. Je sais que, et j'ai deux collègues qui me soutiennent, ils m'ont dit, t'es dans tes droits. C'est un droit parce que là, soit elle veut te faire partir de l'entreprise en écoutant les dits des autres personnes, des fausses accusations. Mais c'est un poids, quoi. Je vais au travail, Alors, mais vraiment à reculons, là, depuis plus déjà, d'un mois. première chose à dire, c'est que vous êtes en train de somatiser, et ça, c'est gravissime de somatiser. La somatisation, elle est très, très grave. Et surtout le Ouais. sommeil. Mais j'ai pour dire que la santé mentale, comment dire, commence par un bon sommeil. Si je ne Ouais. préserve pas mon sommeil, je risque de partir en vrille. Donc, faites très attention. Encore une fois, le premier verset coranique, c'est Walatul Qubi, ne vous faites pas du mal avec vos. C'est très important de comprendre ça. Et là, effectivement, vous êtes en train d'encaisser des choses qui ne sont pas à encaisser du tout. Vous allez envoyer ce mail, peu importe qu'elle le sache ou pas. Après tout, c'est pas Pharaon. Donc, Non, je sais faut bien, arrêter ouais. d'avoir peur, en fait. Faut pas avoir peur, Ouais. en fait. Je pense que sinon, Parce c'est j'irai que... au N plus 1 et où j'irai au N plus 1 et encore plus en plus haut et j'irai Ouais. toujours beaucoup plus haut pour être entendu dans ce que je vis au quotidien. Et là, vous ne Oui. pouvez pas laisser passer. C'est pas possible de ne pas dormir pour une situation comme ça. C'est-à-dire Oui. que je dois être actif, je dois faire des choses. Je ne pense pas que, effectivement, garder ce mal et ne rien faire et vous allez juste somatiser une transe avec le temps. Oui. Marwan, non. Ouais, parce qu'après, vous allez culpabiliser. Donc, effectivement, moi, ce que je vous conseille, c'est d'en parler, d'en parler, d'en parler. Oui. Et puis même si elle vous insulte ou s'il y a des choses comme ça, vous pouvez aussi enregistrer et après montrer les preuves, parce qu'en France, c'est les preuves qui. Voilà, ils ont besoin Oui, de preuves. Le harcèlement moral n'est pas prouvé tant qu'il n'y a elle pas est de en preuves. plein dedans parce que à chaque convocation, Ouais. elle me dit, elle me convoque, mais elle ne me laisse pas argumenter, me justifier. Après, j'ai dit à ma cadre, pourquoi vous me convoquez si vous ne me laissez pas me justifier? Elle m'a dit, c'est moi la chef, c'est moi qui commande. Voilà, donc elle est dans une position pharaonique. Donc là, il va falloir vraiment que vous en parliez dessus, en fait. Ouais. Si elle, Et je ne elle vous suis la pas changera la pas, par seule. contre, elle sera plus comme ça. Ouais, Elle ne tous les changera 4 mois, elle choisit un personnel soignant pas. D'accord. pour faire sa tyran, quoi. Va se poser la question, pourquoi vous? Qu'est-ce qui vous avez dégagé énergétiquement parlant, d'accord, dans ce que vous faites au quotidien, qui a fait que c'est tombé sur vous? C'est pas pour rien. C'est ce que je ne cesse de dire depuis tout à l'heure. C'est pas pour rien. Oui, D'accord? ouais. Donc, qu'est-ce qui a fait dans moi et qu'est-ce que je dois changer en moi pour ne plus être effectivement sous emprise de quiconque sur Terre? C'est ça la question. C'est ça qu'Allah a voulu. OK? L'ADEME, c'est la Ma première plus fois que grande ça intention. j'ai commencé à Merci. travailler à l'âge de 33 ans. C'est la première fois que ça m'arrive ça dans mon domaine professionnel. C'est la première fois. Ouais, donc il faut essayer de comprendre pourquoi sur vous c'est tombé. Mettre des mots encore une fois. Que Dieu vous aide, ma sœur. Inch'Allah. Allah Allez, yberk, Inch'Allah. Salam alaikum. bon courage. Salam, merci bien, merci bien. On arrive à la fin. Merci bien, merci bien, merci à tous, à toutes. Merci beaucoup, Madame Nida Badjafar, qui s'est enrichie d'une conférence très variée, très originale, avec une conception, une approche islamique à des problèmes qu'on vit à tous les jours, qu'on n'a pas l'habitude sincèrement de voir comment apporter des solutions purement qui viennent de notre religion à des problèmes qu'on vit au quotidien. On a l'habitude à des prises en charge beaucoup plus laïques et séculières qui ont montré leurs limites. On était J'espère. heureux de vous avoir comme invité. On espère vous, et c'est sûrement, on va vous revoir dans d'autres Avec conférences plaisir. à propos de d'autres thèmes. Merci à Et tous et merci. à toutes qui nous ont rejoints, qui ont enrichi les débats. Merci à Dr. Barahal qui a aidé dans l'organisation de cette conférence. Le mot de la fin, Merci. à vous, Madame Nida. Merci. Merci à vous, mon très cher frère. Que dire de plus que de retrouver effectivement sa priorité? Je crois que c'est vraiment la première des choses dans toute situation que l'on vit, quelle qu'elle soit. C'est juste un résumé de ce que j'ai dit, de mettre des mots sur nos mots, d'essayer de comprendre ce qui m'arrive. Toute épreuve doit relève d'un sens, en fait. Il y a une hikma, il y a une sagesse qu'on va devoir absolument mettre des mots dessus. Peu importe dans quelle pathologie, dans quel trauma, dans quelle situation je suis, je dois vraiment comprendre que non seulement c'est un signe d'amour d'Allah Azzawajal, mais en plus, je dois en comprendre le sens.
أسأل الله العظيم يرفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضى، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. Merci pour cette invitation, c'était un plaisir de partager avec vous vraiment, et je reviendrai encore une fois avec grand plaisir. حفظكم الله جزاكم الله ألف خير. Merci. السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام à vous tous et toutes. Merci à vous de m'avoir écouté. السلام عليكم.